Bonsoir à tous. Merci de votre accueil. Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour cette soirée traditionnelle désormais de ce grand rendez-vous de la CEPAC. Certains se souviennent d'Idriss Aberkane et de l'intelligence artificielle, d'autres d'Éric Zemmour, de l'avenir de la France. Très bien. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'une autre révolution que nous sommes tous en train de vivre, bien sûr, la transition écologique. Est-ce que c'est une utopie? Est-ce que c'est déjà trop tard? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une chance non seulement pour un monde meilleur, mais simplement de façon très pragmatique, pour notre économie aussi, à tous, pour ce que vous faites les uns et les autres, l'emploi, la richesse, la création de richesses. Est-ce que c'est une chance ou non? Voilà ce que nous allons voir avec les invités, les orateurs, les invités de la CEPAC que vous venez de voir défiler, et évidemment le grand témoin qu'est Nicolas Vanier, j'y reviendrai dans un instant. Mais je m'arrête là parce que c'est normal, évidemment, que ce soit le président du directoire de la CEPAC, notre hôte ce soir, votre hôte, qui nous accueille. Je demande à Joël Chassard de me rejoindre, s'il vous plaît. On l'accueille. Bonsoir à toutes et à tous. Mais écoutez, je suis ravi de vous accueillir et de vous dire combien je suis heureux de voir que vous avez été nombreux à nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Grand Rendez-vous de la CEPAC. L'an passé, on vient de vous le dire, c'était l'intelligence artificielle. Cette année, nous avons choisi un thème qui est un thème d'actualité, mais aussi un thème universel, celui de notre planète et de son avenir. Alors, la planète a chaud, elle a même très chaud. Je ne vous dirai pas quand remonte cette évolution climatique. C'est un débat d'experts dans lequel je ne rentrerai pas. Mais ce qui est certain, c'est que tous les experts, eux, disent que, oui, la température grimpe, elle grimpe et ça s'accélère. Alors, c'est sans doute pas simplement le niveau de la température qu'il convient de surveiller. Il y a sans doute aussi toutes les évolutions, ces changements brutaux. Il y a, bien sûr, les tempêtes, les cyclones qui, s'ils ne sont pas plus nombreux, en tout cas, sont reconnus comme étant plus violents. Il y a aussi la sécheresse, voilà, tout un tas d'événements climatiques qui sont bien réels et que nous ne pouvons plus oublier. Alors, vous le savez sans doute tous, la CEPAC est présente dans les îles lointaines. Nous avons des agences à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles, et nous n'avons évidemment pas oublié la violence extrême du cyclone Irma, c'était en septembre 2017, et deux ans plus tard, eh bien, on doit dire que si Saint-Barthélemy s'est relativement bien reconstruite, du côté de Saint-Martin, eh bien, le traumatisme est toujours là. Il y a des gens qui, effectivement, ont un souvenir très douloureux et l'île est encore dans sa phase de reconstruction qui n'est pas terminée. Donc on voit que tous ces éléments climatiques se succèdent à vitesse grand V. Ça pose quelques problèmes, bien évidemment. Et la bonne nouvelle, elle vient peut-être du fait que si tout ça, ça accélère, eh bien, il y a aussi une prise de conscience dans le public qui commence à s'accélérer, notamment chez les jeunes, qui sont sans doute les plus concernés, et indépendamment peut-être du phénomène médiatique de Greta Thunberg, qui a fait encore parler d'elle cette semaine de façon assez importante. Alors, il y a les jeunes qui sont sensibilisés, il n'y a pas que les jeunes, c'est très clair. Moi, je pense que le succès relatif, mais quand même inattendu, des Verts aux dernières élections européennes en France est sans doute un élément qu'il faut pouvoir prendre en compte. Et puis, ce que je note, c'est qu'il n'y a pas un jour, depuis un certain temps, où dans les médias, on ne s'empare pas du sujet, on n'évoque pas effectivement cette urgence climatique. Donc ça, c'est important. Et puis, bien sûr, il y a plein d'événements. Moi, je fais référence peut-être aussi au dernier élément mondial du côté de l'ONU, où le secrétaire général Antonio Guterres, je pense, a bien résumé la situation par rapport à cette urgence climatique en disant « on ne négocie pas avec la nature ». Donc voilà, maintenant, je crois qu'effectivement, il y a une urgence. Tout le monde s'en accorde. Il faut sans doute agir. Alors, agir, ce n'est pas forcément simple, d'autant plus qu'il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète B même, j'oserais dire. Il faut sans doute aller plus loin dans ce qu'on appelle la transition écologique,
Certains parleront de transformation écologique. Je crois qu'effectivement, il n'y a pas d'autre solution. Alors, bien sûr, cette transition, cette transformation, ça ne doit pas rester un concept si on veut avancer. Ça ne doit pas être simplement l'ambition de quelques-uns. C'est sans doute l'ambition de tous qui doit prévaloir maintenant et peut-être même une obligation pour tous. Et c'est là que commencent forcément les difficultés. Parce que quand on regarde, le chemin est colossal, quoi, la tâche est colossale, les enjeux peuvent effrayer. C'est sans doute notre modèle qu'il faut revoir. Notre façon de penser, sans doute, notre façon de produire, notre manière de consommer, notre façon de nous déplacer également. Et puis, quand on parle de création de valeur économique, il faut sans doute aussi, pour les entreprises notamment, mieux prendre en compte les impacts environnementaux liés à notre activité. Ça, c'est sûr, et on regarde même tous les éléments, on regarde la loi PACTE promulguée en mai, va aussi dans ce sens-là. Donc il y a ça, et puis il y a sans doute aussi à promouvoir d'autres éléments, la création de valeur qui n'est pas qu'une économique, mais une création de valeur sociétale. Et moi, je suis à peu près persuadé qu'on n'arrivera pas à avancer si on ne fait pas plus de pédagogie, si on n'avance pas, si on ne montre pas qu'avec l'utilité sociale, avec également, je dirais, les créations d'emplois, je pense, pas infinies, mais en tout cas des créations d'emplois certaines, avec des opportunités de nouveaux business qui vont se créer avec la transition écologique, pardon. Je suis persuadé que c'est comme ça seulement que cette transition écologique, que ce développement durable ne seront plus vécus comme une contrainte, mais peut-être, en tout cas, seront acceptés et peut-être même souhaités par le plus grand nombre. Alors à la CEPAC, on essaye simplement d'être une entreprise qui soit la plus citoyenne possible. On essaye de faire des efforts à notre mesure. On s'appuie bien sûr sur les technologies, sur la domotique, mais je pense que le plus important, c'est aussi l'évolution des comportements. Et ainsi, jour après jour, ce sont nos collaborateurs qui, avec leur changement d'habitude, font que la CEPAC peut économiser des consommables, du papier, de l'énergie. Mais l'essentiel n'est sûrement pas là. Il faut sans doute passer du curatif à autre chose. Et à la CEPAC, on a décidé vraiment de soutenir ceux qui vont plus loin, de soutenir ceux qui le font savoir, ceux qui expliquent. Et c'est pour cela que nous serons partenaires en 2020 du Congrès mondial de la nature, qui aura lieu au Parc Chanot à Marseille. C'est un congrès qui a lieu tous les 4 ans et qui réunit les sommités, les spécialités, les spécialistes dans le domaine. Ils seront nombreux, en tout cas je le souhaite. Lors de la dernière édition, ils étaient plus de 10 000. Voilà, donc on a choisi ça. Mais l'essentiel, puisque nous sommes banquiers, c'est sans doute d'aller là aussi plus loin. Notre métier, c'est un métier de financeur. Et bien sûr, notre métier, c'est de soutenir, ce qui permettra aussi d'aller dans le bon sens au niveau de cette transition écologique. Donc on a fait ce choix, pardon, il y a déjà un certain temps. On ne peut pas tout choisir, mais il est clair qu'on a choisi de favoriser la partie de la transition énergétique, qui nous semble peut-être la plus importante, puisque on sait qu'aujourd'hui encore, plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du pétrole et du charbon, eux-mêmes, donc elles-mêmes, ces émissions, étant responsables, en tout cas de ce qu'on peut lire, d'une grande partie de ces dérèglements climatiques. Donc on a fait ce choix, on ira plus loin, nous sommes ainsi devenus le premier financeur du groupe BPCE au niveau des énergies renouvelables. Nous sommes le 4e financeur en France de ces mêmes énergies, tout établissement bancaire confondu. Et puis, on a soutenu, accompagné vraiment de belles réalisations, que ce soit dans le domaine du solaire, que ce soit dans le domaine de l'éolien terrestre, de l'éolien même anticyclonique, et puis également dans l'utilisation de la biomasse, et peut-être dans un domaine plus délicat à appréhender, qui est celui du stockage de l'électricité. Voilà, en tout cas, on est fiers de pouvoir accompagner ces entreprises.
Et puis on va intensifier cette démarche, on va souhaiter effectivement continuer avec des entreprises, que ce soit des start-up ou des entreprises innovantes, qui ont le souci aussi de penser à la fois objectif écologique et objectif économique. Voilà, certains sont dans cette salle, hein, je ne pourrais pas tous les saluer, je voulais peut-être souligner la présence de Ténergy, j'ai vu Valorem, Corsica Solay et puis Neoen. Voilà, donc on est fiers effectivement de les accompagner. Certains seront sur scène tout à l'heure pour des témoignages concrets. En tout cas, moi je suis très, très heureux et très fier de pouvoir les accompagner. Je suis sûr que ce sont tous des gens qui ont envie d'œuvrer concrètement, très concrètement, pour cette transition écologique. Et puis, je suis sûr qu'avec les autres invités, qui sont des journalistes, qui sont des lanceurs d'alerte, eh bien, je suis sûr qu'ils ont eu tous en tête, à un moment donné, cette citation célèbre, mais peut-être à tort, attribuée à Saint-Exupéry, et que vous connaissez tous, donc, qui est la suivante. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et merci de votre attention. Merci Joël Chassard, banquier business, banquier citoyen, banquier stratège, on vient de le voir, et qui accompagne la transformation. Alors, vous avez recensé, cité un certain nombre des thématiques, des questions qu'évidemment on va traiter ce soir. Comment imaginer le faire sans votre participation? D'abord, c'est la tradition au grand rendez-vous de la CEPAC, mais a fortiori, nous avons tous vécu l'été que nous avons vécu ici, mais pas uniquement dans le sud, bien sûr, en matière de température, par exemple. Voilà, on a tous une sensibilité liée au débat de ce soir. Alors, votre participation, j'ai une anti-sèche parce qu'évidemment, c'est un peu complexe. Vous allez voir, par SMS ou par Twitter. Donc ceux qui veulent aller avoir une réaction, un commentaire d'une phrase ou au contraire interpeller nos orateurs, n'hésitez pas, nous les mettrons à l'écran et ils réagiront le cas échéant. Donc pour ce qui est de Twitter, il faut aller sur Twitter, avec son compte Twitter bien sûr, et là vous tapez le hashtag Grand Rendez-vous CEPAC, GRANDRDVCEPAC, voilà. Et puis après, à chaque fois que vous avez un message, ça sera récupéré ici et on le mettra à l'écran derrière. Et puis pour les SMS, vous avez un numéro, vous le notez si vous voulez bien, 06 44 63 16 00, 06 44 63 16 00. Là, il y a une petite manip. Le premier message à envoyer, le premier SMS à envoyer sur ce numéro de mobile, c'est un SMS avec le hashtag justement Grand Rendez-vous CEPAC. La première fois, seulement la première fois. Et puis après, vos questions, vos réactions. Voilà pour cette petite introduction technique. Alors, le grand témoin, notre grand témoin ce soir, Nicolas Vanier. De qui s'agit-il? Ben, vous le connaissez déjà sûrement, j'imagine. Vous avez vu peut-être déjà Belle et Sébastien, par exemple, magnifique film de fiction. Donc, mais ce n'est pas qu'un homme de fiction. C'est d'abord un aventurier et puis un témoin. Et dont l'obsession, c'est finalement de vivre sa passion du voyage, des cultures, mais de nous la transmettre. D'être un pédagogue, un lanceur d'alerte, disait à l'instant Joël Chassard. Il est petit-fils d'agriculteur, il a failli devenir agriculteur lui-même, c'est vous dire aussi que ses considérations sur la nature, et sur l'alimentation, évidemment, tout ça le passionne, bien entendu, mais vous verrez, c'est beaucoup plus. Documentariste, écrivain, photographe, nous commençons d'abord par regarder en images quelques moment exceptionnel de la carrière, de la vie, je ne sais pas comment le qualifier, de l'aventurier Nicolas Vanier. Image. Ce visage, cette gueule, ce sourire, c'est celui de l'un de nos grands voyageurs et aventuriers français, celui de Nicolas Vanier, célèbre pour ses nombreuses expéditions dans ces régions qu'il appelle les pays d'en haut. Musher, explorateur, conférencier, écrivain, cinéaste, ce touche-à-tout a une passion, agir et faire agir
pour inciter à une écologie positive. Les voyages de Nicolas sont autant de rencontres et d'idées de livres ou de films. Laponie, Canada, Sibérie, Alaska, Chine, Mongolie, seul ou accompagné de sa femme Diane et de ses enfants Montaigne et Lou, Nicolas reste curieux de tout et de tous. L'un des cadeaux que le Grand Nord lui aura fait, ce sont les chiens de traîneau. Des milliers de kilomètres de course ont instauré une véritable complicité avec ses différents attelages. Plus de 50 000 kilomètres parcourus et une confiance toujours intacte. En plus de 35 ans, notre aventurier passe des films de récits de voyage aux films de fiction. Et la fiction nous a fait rentrer dans sa réalité. C'est paradoxal mais facile à comprendre. Nicolas est parfois passé près de la mort, dans des lacs gelés, des crevasses ou face à des grizzlies. Et le premier réflexe est d'abord d'assurer sa survie, pas de faire des images. Ainsi, Le Dernier Trappeur, le premier long métrage de Nicolas, l'histoire de Norman, vivant avec ses chiens des produits de la chasse et de la pêche, sera presque autobiographique, relatant des aventures vécues par Nicolas. Autre succès, Lou, l'histoire de Sergueï, un jeune Even, éleveur de rennes en Sibérie. Sergueï chasse les loups, mais sa rencontre avec une louve et ses louveteaux bouleverse sa vie. Et puis il y a Belle et Sébastien, l'histoire de la rencontre d'un enfant solitaire et d'un chien sauvage. Nicolas aime raconter et transmettre, et il le fait avec émotion, envie et passion, et il aime défendre quelques thèmes qui lui sont chers. Ainsi, en retournant vers des lieux déjà explorés, il constate comment le dérèglement climatique blesse la nature. Pas de neige, c'est le signe de plus que le climat est totalement déréglé. Les banquises d'été disparaissent et la fonte du permafrost qui permet la vie laisse les marais envahir des espaces infinis et invivables. Celui qui ne voulait pas de hiérarchie s'est rendu compte qu'à l'image d'une meute qui suit son leader, elle était nécessaire. Et lui, l'entrepreneur, prend plaisir à accompagner ses collaborateurs, apaisant les crises, insufflant énergie et motivation et partageant ses réussites. Nicolas Vanier est fier de ce qu'il a construit, mais il s'interroge. Face aux problèmes que rencontre la nature, aura-t-il le temps de lui rendre ce qu'elle lui a donné ? Il sait que tout s'accélère et que l'instant présent n'est plus à la réflexion, mais uniquement à l'action. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Nicolas Vanier. C'est à vous, Nicolas. Merci. Bonjour à tous. C'est rassurant de voir qu'un thème comme celui-ci est capable de réunir encore autant de monde. Alors, vous avez vu au travers de ces quelques minutes quel a été mon univers pendant plus de 40 ans. Effectivement, c'est ce que j'appelle les pays d'en haut, que j'ai traversé pendant 40 ans avec des moyens donc naturels de déplacement qui ont été effectivement beaucoup les chiens, mais aussi à cheval, comme on en a vu quelques images, avec des rennes en canoë. En tout état de cause, ces voyages, bien évidemment, m'ont changé, m'ont transformé, ont fait ce que je suis aujourd'hui. Alors moi, je n'étais pas, durant, on va dire, les 25 premières années de mes voyages, ce qu'on appelle aujourd'hui un défenseur de l'environnement. J'étais tout simplement un amoureux de ces paysages et j'ai essayé de faire partager, effectivement, mon émerveillement pour cette nature, pour ceux qui y vivent en harmonie, au travers de films, de livres. Et puis, il y a une quinzaine d'années de cela, je dirais pour fixer une date, j'ai commencé ici et là à voir dans ces régions fragiles que sont effectivement les pays d'en haut, ces zones arctiques, des petites choses d'abord qui m'ont interpellé, et puis de façon exponentielle, des choses qui m'ont touché au plus profond de moi et qui ont fait effectivement qu'aujourd'hui, je ne peux plus réaliser un film, lancer un projet qui ne soit pas effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, quelque part une alerte. Alors comme j'aime le concret, je pense que vous allez vous en rendre compte au travers des quelques mots que j'ai à vous dire,
je crois que j'ai été un témoin, comme le disait Jacques Chirac, et Dieu sait si j'ai envie de le citer aujourd'hui, Jacques Chirac m'a appelé l'ambassadeur de la nature en me remettant une décoration. Je trouvais que ce terme était assez juste. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un homme politique, mais j'ai eu ce privilège, en quelque sorte, d'être pendant 40 ans dans des pays, ces pays d'en haut, que j'ai vu évoluer. Et effectivement, ces 15 dernières années, j'ai vu tellement de choses que je pourrais vous citer des exemples qui nous emmèneraient jusqu'à demain matin. Je vais vous en donner trois. Un premier qui a été avec Norman, ce trappeur avec lequel j'ai réalisé ce film, le survol de quelque chose qui n'avait pas de nom à l'époque. Il a fallu en inventer un parce que le phénomène s'est étendu. Ça s'appelle une forêt ivre. Qu'est-ce qu'une forêt ivre ? C'est une forêt où tous les arbres sont tombés les uns sur les autres, une sorte de, vous savez, de grand mikado géant, à l'intérieur duquel plus aucun grand mammifère ne peut vivre. Et nous avons survolé sur des dizaines de milliers de kilomètres une forêt qui n'était donc plus une forêt, où tous les arbres étaient tombés. Pourquoi ces arbres étaient tombés ? C'est parce que dans le Grand Nord, tout, absolument tout, les villages, les forêts, tout repose sur un ciment naturel qui s'appelle le permafrost. Cette couche de sol gelée depuis toujours, à l'intérieur duquel, c'est vous dire, s'il est là depuis longtemps, j'ai retrouvé, en traversant la Sibérie, un mammouth. Et bien, cette couche de sol gelée en permanence, sous l'effet effectivement du réchauffement des températures, qui ne sont pas, comme en France, de l'ordre de 1 degré, mais parfois dans l'Arctique et dans certaines zones de 2, 3 ou 4 degrés, avait fondu. Tout ce qui est dessus, des villages s'enfoncent, cette forêt était tombée. Ça fait partie des choses qui vous touchent quand vous aimez la forêt, que vous aimez ces régions. Et je peux vous assurer que le regard que Norman a porté, ce trappeur avec lequel nous avons fait le film sur cette forêt, était un regard embué de larmes, tout comme le mien. Un deuxième exemple, on a vu tout à l'heure des images magnifiques de cet animal emblématique du Grand Nord, qui est l'ours polaire. La dernière fois que j'ai vu des ours polaires, c'était au bord du détroit de Bering, il n'y a pas très longtemps. C'était une maman ours qui, avec ses griffes, ramassait des insectes que le vent avait amenés sur les berges d'un lac et qui nourrissait ses petits oursons. C'est un animal absolument incroyable, un espèce de mélange de puissance et de douceur extraordinaire. Cet animal va disparaître. C'est absolument inéluctable. J'en parle en connaissance de cause pour avoir travaillé en quelque sorte, mais plutôt que travailler, écouter ce que les scientifiques réunis à cette occasion au bord de la banquise ont pu m'expliquer. Qui est, vous le savez sans doute, que la banquise d'été est en train de disparaître. 20% a disparu aujourd'hui. Les scientifiques nous disaient qu'elle allait disparaître au bout de 50 ans. Et puis, ils nous ont dit 40 ans. Et puis, ils nous ont dit 30 ans. Elle va disparaître dans moins de 20 ans. Les ours polaires n'auront pas le temps, en 20 ans, de s'adapter à d'autres formes de chasse que celles qu'ils utilisent depuis toujours. Ils ont absolument besoin de cette plateforme pour chasser, pour se nourrir. Lorsque je regarde cette maman ours et que je la vois avec ses deux petits oursons et que je sais que mes petits-enfants ne pourront pas assister au spectacle que j'ai assisté, j'ai aussi envie de pleurer. Un dernier exemple, parce que j'ai parlé de forêt et que j'ai parlé d'animaux, je ne peux pas ne pas parler d'hommes, d'autant plus que j'ai passé un an et demi de ma vie, ce qui n'est pas rien, pour vous parler des nomades éleveurs de rennes, des gens qui vivent encore en 2019 sans argent, mais qui ont pour toute richesse des rennes, ce qu'ils appellent la grande harde. C'est leur voiture, leur moyen de locomotion, c'est avec ça qu'ils s'habillent, c'est avec ça qu'ils se nourrissent, c'est toute leur richesse. Le lichen, les rennes se nourrissent de lichen, qui repose sur un espace climatique extrêmement restreint, un petit peu comme les coraux dans les océans. Et ce que nous constatons, ce que les scientifiques constatent, ce que j'ai pu voir de mes propres yeux, est que les grands pâturages de lichen sont actuellement en train de progresser à raison de 20 km par an vers le nord. Qu'est-ce que font mes amis Evens ? Ce sont des nomades, ils en ont l'habitude, donc ils voyagent vers le nord. D'ici une quinzaine d'années, 20 ans maximum, ils seront arrivés au bout de leur voyage, au bord de la mer Arctique. Il n'y aura plus de lichen, il n'y aura plus de rennes. Ils vont donc rejoindre le flot de ces centaines, et là aussi il a fallu trouver un terme, de réfugiés climatiques. Voilà quelques exemples, juste pour vous dire que ce sont des choses que j'ai vues avec mes yeux, avec mon cœur, qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Alors vous allez me dire, ah bah, c'est bien sympa l'intervention de Nicolas Vanier, il nous a bien plombé la soirée.
Mais vous allez comprendre que ce n'est pas du tout mon objectif. Quels sont les problèmes? Finalement, on peut les classer en deux catégories. Vous en avez parlé tout à l'heure, le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, rapidement, c'est grâce ou à cause des accords de la COP21, une orientation qui nous amène vers une élévation totale des températures entre 2,5 et 3,5 degrés. Au vu de ce qui s'est passé depuis la COP21, à savoir qu'un certain nombre de pays ont quitté l'accord, pour ne pas les citer, et que d'autres, comme la France d'ailleurs, ne sont pas dans les clous, on est plus en train de se diriger vers 3, 3,5 que vers 2,5. Or, ce n'est pas moi qui le dis, tous les scientifiques nous disent qu'au-delà de 3 degrés environ d'élévation des températures, nous allons rentrer dans des phases d'emballement avec un certain nombre de bombes, si je puis dire, climatiques, qui vont, et c'est le dernier rapport du GIEC que je vous invite à consulter, qui date de quelques jours, qui nous emmèneront vers une élévation des températures de 4, 5, 6, 7 degrés. Je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais les choses concrètes et je vais vous parler de quelque chose que je connais parfaitement bien pour vous expliquer ce qu'est une bombe climatique, ce qu'est un emballement, ce qui risque d'arriver si nous dépassons effectivement ce seuil que tous les scientifiques situent à 3 degrés. Le permafrost, j'en ai parlé tout à l'heure, est en train de dégeler à cause des gaz à effet de serre, résultat de la combustion des énergies fossiles, des activités humaines. Et donc ce permafrost dégelant, qu'est-ce qui se passe? Il y a sous le permafrost, depuis des millions d'années, piégé du méthane et du CO2. Le méthane est un gaz très hautement, en quelque sorte, à effet de serre, qui du coup va se mélanger à ceux que nous émettons nous-mêmes. Et donc, vous l'avez compris, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc, encore plus de permafrost qui dégèle. Et donc, ben, encore plus de méthane libéré. Et donc, encore plus de permafrost qui dégèle. Et donc, et voilà le type de bombe climatique qui va nous exploser à la figure, avec des simulations qui ont été faites par les membres du GIEC, qui sont d'ailleurs incontestables et incontestées, c'est important de le dire, qui sont effrayantes, dont je n'ai absolument pas envie de parler ce soir. C'est un premier problème, le réchauffement climatique. Un second, c'est l'épuisement des ressources naturelles sur cette petite planète. Vous le savez sans doute, on consomme en 8 mois ce que la Terre produit en 12 ans. N'importe qu'on soit banquier ou qu'on ne le soit pas, sait que lorsqu'on dépense plus d'argent que ce que l'on a dans sa poche, cela conduit inévitablement à la faillite. C'est dramatique pour une société, mais elle a la possibilité de déposer le bilan. Qu'est-ce que va faire la planète? Alors peut-être qu'on pourra construire une fusée dans laquelle on va mettre 8 ou 9 milliards de personnes, mais comme le disait le président tout à l'heure, il n'y a pas de plan B. Où est-ce que va aller cette fusée? On n'a pas trouvé d'autres planètes que nous puissions aller épuiser pour remonter dans la fusée et en épuiser une autre et ainsi de suite. Il faut donc que l'on fasse avec celle-ci. Alors, comment on en est arrivé là? Eh bien, on en est arrivé là en l'espace de à peine une génération, deux générations. Et c'est en cela que nous sommes en train de vivre un moment absolument incroyable, unique dans toute l'histoire de l'humanité. Cette accélération, ben, elle nous a conduit à ce que d'une économie de village, on passe à une économie régionale et puis nationale. Et puis aujourd'hui, c'est la mondialisation. La mondialisation, eh bien, c'est une espèce de course effrénée à la concurrence qui se base sur les théories les plus antisociales, les plus anti-environnementales, où il faut produire le moins cher possible tout en étant le moins vertueux possible, si on se résume, avec des conséquences dramatiques que l'on voit, pas simplement au niveau environnemental, mais bien évidemment social et économique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, pour mettre fin au réchauffement climatique, pour qu'on puisse être en équilibre entre ce que l'on consomme et ce que la Terre est capable de produire, et Dieu sait si les océans sur les forêts sont capables de nous donner, c'est effarant quand on consulte les chiffres, de voir la générosité de la planète, c'est effarant. Effarant de voir ce que les océans sont capables de nous donner comme poissons, les forêts comme bois,
Sauf que vous savez tous que quand on réduit le capital, on réduit les intérêts. D'où effectivement, vous en parliez tout à l'heure, Monsieur le Président, ces enfants qui sont en train de se lever, de nous dire « mais vous n'avez pas le droit de continuer sur, ce même cap ». Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, le roi du monde doit intervenir. Celui qui détient le pouvoir de changer la donne. Celui qui détient ce pouvoir-là, de mon sens, on en débattra peut-être tout à l'heure, mais c'est le consommateur. Prenons un exemple, je le redis encore une fois, j'aime bien les exemples concrets. On a beaucoup parlé, et avec beaucoup d'émotion, de la forêt amazonienne. La forêt amazonienne, ce n'est pas le président brésilien, aussi bête soit-il, stupide ou pas visionnaire, c'est l'huile de soja, c'est l'huile de palme. Ça veut dire que c'est la pâte à tartiner chocolatée que nous consommons tous les jours. Ça veut dire que le soja, c'est la viande. C'est le consommateur, c'est nous qui sommes en train de détruire la forêt amazonienne. Le consommateur, eh bien, il détient ce pouvoir immense de pouvoir, d'un côté, privilégier ces produits qui sont de plus en plus nombreux, qui sont respectueux de l'environnement, de la forêt amazonienne, de la biodiversité. Je n'ai pas parlé de l'effondrement de la biodiversité, je n'ai cité que l'exemple de l'ours polaire, mais je pourrais vous parler des oiseaux, puisque j'ai dans quelques jours un film qui sort sur ce thème-là, et c'est absolument dramatique de connaître cette situation des oiseaux de par le monde. Et donc le consommateur, voilà, a ce pouvoir immense, colossal, de pouvoir pénaliser tous ces produits, et au contraire de favoriser tous les produits qui sont, grâce au ciel, de plus en plus nombreux, à l'image du bio. Lors du déjeuner tout à l'heure, j'expliquais que je ne suis pas un grand fan des supermarchés, mais que j'y allais régulièrement depuis quelques années, rien que pour le plaisir de voir les rayons de bio qui s'étendaient, en sachant qu'effectivement, cette consommation de bio, de produits locaux, eh bien, c'était la porte ouverte à ce que des insectes reviennent, que des oiseaux reviennent, que la forêt amazonienne cesse d'être détruite. Donc je pense qu'il faut mettre l'accent sur effectivement ce rôle capital que détient le consommateur. La carte d'électeur, oui, c'est bien la carte d'électeur. Mais on voit ce que parfois les chefs d'État et les gouvernements font de nos votes, des promesses. La carte bleue, elle a un pouvoir bien plus important à mon sens. Pour mettre en place finalement ce monde, parce que je pense que ce n'est pas en sortant d'une petite boîte à outils pour réparer les pièces de la voiture comme on l'a fait à la COP21 ou dernièrement à Biarritz ou encore plus dernièrement à New York. Ce n'est pas en sortant une petite boîte à outils pour réparer quelques pièces qu'on va changer le monde. C'est en changeant la voiture et en changeant le système. Alors il y a des personnes nombreuses à dire, à véhiculer l'idée que pour régler ces grandes problématiques que sont le réchauffement climatique et l'épuisement des ressources naturelles, il va falloir se restreindre. Il va falloir vivre moins bien. Moi, je combats totalement cette idée-là. Permettez-moi juste de vous faire part d'une expérience assez singulière et unique que j'ai vécue pour vous expliquer finalement un peu le sens philosophique de tout ça. En tout cas, une expérience qui m'a amené à réfléchir. J'ai passé un an et demi de ma vie, ce qui est long, avec des gens au fin fond des montagnes verdoyantes, en Sibérie, à 2 mois de marche de toute habitation, des gens qui n'ont pas d'argent. Je l'expliquais tout à l'heure, ce sont ces évènes nomades, éleveurs de rennes, qui ont pour toute richesse ce qu'ils appellent la grande harde. C'est incroyable. Du matin au soir, ce sont les rires le matin qui vous réveillent. Lorsque on part pour aller chercher les rennes, ou qu'on part à la chasse ou à la pêche, ou qu'on va creuser des trous sur un lac gelé pour pêcher des poissons, le soir quand on rentre, ce sont des rires et des sourires. J'ai fait des portraits de vieillards qui ont 90 ans pour certains. Vous savez, ils ont des rites de bonheur. Vous savez, il y a des gens qui ont été tristes toute leur vie, puis ça se voit sur leur visage. Eux, ce sont des gens qui sont heureux. Je peux le dire, j'ai passé un an et demi avec eux. Eh bien, lorsque je suis rentré, l'avion s'est posé à Roissy, je suis monté dans le RER pour rejoindre le train pour aller chez moi, et j'ai regardé les visages autour de moi dans le RER. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis surtout, ça m'a amené effectivement à m'interroger sur ce monde où on va de plus en plus vite, on consomme de plus en plus,
toujours plus vite, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et finalement, ce que je ressens, et ça sera mon mot de la fin, c'est que finalement, nous sommes effectivement en train de vivre une époque absolument singulière et incroyable. Mais c'est qu'effectivement, depuis 50 ans ou un petit peu plus, nous avons finalement beaucoup conjugué le verbe avoir, c'est-à-dire avoir, 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 avoir toujours plus. On en voit toutes les conséquences aujourd'hui qui ne sont pas que environnementales, qui sont sociales, économiques. Et ben, j'ai l'envie de croire qu'on va commencer justement un petit peu plus à conjuguer le verbe être, ce qui me paraît une belle perspective pour nos jeunes qui effectivement s'inquiètent. Voilà ce que je voulais vous dire, et je crois que nous allons en débattre avec d'autres. J'espère. Nicolas Vagnon, on peut l'applaudir déjà. Merci. C'est évidemment aussi passionnant que terrifiant, évidemment. Ce n'est pas une affaire de plomber l'ambiance, mais enfin, oui, il va falloir... On va essayer d'avoir des rites de bonheur un petit peu aussi d'ici à la fin de la soirée. En l'occurrence, il y a une question qui nous vient tous, qu'on a déjà citée depuis le début, le président Chassard, c'est est-ce que c'est trop tard ? Et vous nous dites, ne répondez pas maintenant, on va lancer le débat, mais vous nous dites, vous nous parlez peu du politique, vous nous parlez peu, à la différence d'autres, du banquier ou du marché financier, vous nous dites nous. Finalement. Alors nous, comment ? Eh ben, c'est un des sujets, parce que ce soir, on va parler solutions aussi, je vous en prie, Nicolas, prenez place si vous voulez bien. On va accueillir maintenant les autres orateurs, les autres invités de cette soirée. Et on va d'abord demander à une consoeur, Pascal Derme, journaliste, essayiste, spécialiste de nature et d'environnement, de nous rejoindre. Pascal, si vous voulez bien, montez. Avec nous aussi, deux industriels. Vous avez compris, que, ou vous le comprendrez, que ce sont des clients de la CEPAC, où le CEPAC est leur banquier, mais qui sont deux hommes de solutions avec leurs équipes. Il s'agit de Jean-Yves Grandidier, président fondateur de Valorem, s'il vous plaît. Et de Michael Coudizer, qui est directeur général associé et fondateur de Corsica Sol, s'il vous plaît. Et... nous verrons que dans un instant qu'eux produisent de l'électricité d'une façon plus propre que d'autres peut-être. On verra si c'est un jugement de valeur. Et celui qui les a financés à travers l'institution CEPAC, eh bien, c'est leur banquier, Didier Moaté, membre du directeur de la CEPAC, en charge du pôle Métropole. Alors, la question posée, par Nicolas, c'est au fond... est-ce que c'est trop tard ? En tout cas, celle que moi, je retiens. Mais vous, qu'est-ce que vous retenez ? Jean-Yves Grandidier, Michael Coudizer, voilà. Qu'est-ce que vous retenez de ce que dit Nicolas ? Qu'est-ce qui vous frappe ? On est tous convaincus qu'effectivement, il faut changer nos modes de production et nos modes de consommation et que ça se passe beaucoup au niveau du consommateur. Le problème, c'est que... c'est pas simplement de changer de mode de consommation, c'est aussi changer nos modes de représentation et nos systèmes de valeurs. Il y a en fait, pour moi, trois types de leviers sur lesquels il faut agir. Le premier levier, c'est la science, c'est la technologie, c'est un peu notre domaine des entrepreneurs, et celui des scientifiques, celui des laboratoires de recherche. Je dirais qu'aujourd'hui, on a tous les outils pour permettre de faire la transition écologique. On a toutes les technologies, elles sont disponibles. Il suffit maintenant de les massifier pour en réduire le coût. C'est déjà le cas des panneaux solaires dont le coût a baissé depuis des années. Ce sera demain le cas des batteries qui vont réduire de manière très importante et qui vont apporter une partie de la solution. Après, il y a les politiques publiques. On ne les a pas citées. C'est important, les politiques publiques. Il y a besoin de politiques publiques. Et puis après, il y a cette question du changement des comportements et qui implique effectivement que nos référentiels de valeur, nos systèmes de valeur, nos systèmes de représentation soient modifiés. Et je vais vous prendre un exemple très concret, celui de l'automobile. Parce que l'automobile, c'est,
c'est pas seulement un acte de consommation, c'est, enfin, tout du moins c'est un acte de consommation, mais qui implique, je dirais, un petit peu des passions, qui implique, c'est pas seulement un choix rationnel, hein, on en est tous, on le voit tous facilement. Aujourd'hui, les véhicules particuliers, il y en a 32 millions en France, qui font 13 000 km chacun, ça fait à peu près un peu plus de 400 milliards de kilomètres qui sont faits par les véhicules particuliers. J'ai fait un scénario en 2035 où on pourrait avoir 15 millions de véhicules électriques qui feraient à peu près 225 millions de milliards de kilomètres par an, c'est-à-dire à peu près moitié moins. Moitié moins avec des consommations d'énergie beaucoup plus faibles. La voiture électrique aujourd'hui, ça consomme 15 kWh. Une voiture thermique à explosion, ça consomme 70 kWh. Ça émettrait 40 millions de tonnes de CO2, c'est pas rien en France, c'est plus de 10% de nos émissions du secteur énergétique. Ça, voilà. Après, voilà, nous on peut faire ça au niveau des gens qui maîtrisons la technologie, des entreprises, mais il reste tout le reste. Est-ce qu'on peut arriver à ce que cette consommation de véhicules, ce soit effectivement, elle se divise par deux, ou pratiquement par deux, et que ce soit effectivement qu'on n'ait plus que des véhicules électriques peu consommateurs, en plus ça avec un qui redonne du pouvoir d'achat aux gens. Un véhicule électrique, ça fonctionne très bien, c'est un coût de possession qui est très faible. Jean-Yves Grandidier, d'abord, si vous voulez bien les uns et les autres ne pas martyriser votre micro, ce serait mieux, c'est-à-dire que vous n'y touchez pas, vous n'y touchez pas, et vous pas trop près, parce que vous avez une voix d'ours polaire, donc c'est massif et efficace, mais l'ingénieur du son s'arrache les oreilles. D'accord. Donc voilà, juste, mais ça va fonctionner. Alors, vous, Jean-Yves Grandidier, il faut expliquer quand même qu'aujourd'hui vous produisez, comme Michael Coudizère, de l'électricité, et de l'électricité avec du renouvelable, de l'énergie renouvelable. Vous êtes un idéaliste qui a choisi un jour de réaliser ses rêves. Vous étiez militant anti-nucléaire dans les années, j'ose pas le dire, 90 peut-être, et puis vous êtes devenu ingénieur parce que vous vous êtes dit il faut trouver une solution. Ingénieur, les arts et métiers, Bordeaux, et puis vous avez construit cette entreprise sur laquelle on reviendra dans un instant. Michael, vous avez décidé un jour, alors que vous êtes à moitié flamand et à moitié corse, ouais, de trouver des solutions, parce qu'en Corse, il n'y a pas le nucléaire, hein, l'électricité, c'est du fioul, souvent, de trouver des solutions pour cet magnifique endroit, mais qui soit propre, en effet, avec notamment le soleil, oui, comme le nom de l'entreprise l'indique. Bon, et je vais vous demander, vous, de réagir. Et avant, je voudrais dire un mot sur Pascal Derme, parce que Pascal est une journaliste qui a travaillé, d'abord, elle réalise des documentaires aussi, elle a travaillé avec Nicolas Hulot, à la Fondation Hulot, et elle s'est intéressée au rôle des femmes, par exemple, toujours, dans la transition écologique et énergétique. Vous avez interviewé Rabhi, mais pas uniquement, qui est aussi quelqu'un qui passionne Nicolas Vanier, Pierre Rabhi, bien sûr. Et puis là, vous venez de publier Natura, qui est passionnant, qui est à la fois un documentaire et un livre. Natura, qui est, au fond, un témoignage sur ce que toute une série d'enquêtes scientifiques montrent de ce que la nature, ça peut sembler une évidence, mais c'est passionnant de le lire, de ce que la nature à la fois nous manque, de ce qu'elle nous apporte, et surtout en quoi, aujourd'hui, les nouvelles générations, c'est ce qui m'a terrifié en lisant ce livre, Natura, les nouvelles générations d'urbains, de jeunes urbains, ont presque peur de la nature. C'est sale, c'est loin, ça leur fait peur, ils osent pas. Enfin bon, bref. Et donc, on y reviendra dans un instant. Qu'est-ce que vous inspire ? Parce que ce que je voulais dire dans ce qu'a dit Jean-Yves Grandidier, c'est que c'est une réaction d'ingénieur. Oui. Il nous apporte déjà les solutions avec des calculs. Oui. Bon, passionnant, vous aussi. Qu'est-ce que vous inspire, ce que vous avez vu ? Vous avez envie de partir en chien de traîneau, retourner voir les rennes avant que ce soit la fin ? Ah bon, malheureusement, je pense que je fais partie de la génération qui a un peu peur de la nature. Je pense que je suis vraiment dans votre bouquin. Enfin, moi, je voulais dire, enfin, la réaction, c'est déjà vous remercier, parce que je pense que c'est vraiment les artistes, les philosophes, les écrivains qui montrent, qui nous montrent ce qu'on ne peut pas voir et qui nous font prendre conscience. Et moi, qui m'a fait prendre conscience aussi il y a une dizaine d'années de ce changement climatique et sa nécessité de changer. Et alors, effectivement, c'est vrai que, en tant qu'ingénieur, je me dis, OK, c'est quoi la solution ? Et je me dis, on va y aller vers la solution. Bon, il faut être un peu humble, parce que je pense quand même que c'est aussi nous, les ingénieurs, qui avons un petit peu créé le problème il y a une cinquantaine d'années, et même si aujourd'hui on aspire à apporter les réponses. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ma réaction serait peut-être que ce que j'attendrais de vous, là, les lanceurs d'alerte, les philosophes, les artistes, c'est d'aller plus loin et de
d'enfoncer le clou et dire aux gens, il y a un changement, il y a un dérèglement climatique. Aujourd'hui, les gens le voient, vous leur avez montré, puis on le ressent, hein, cet été, la canicule. Il faudrait maintenant aller vers le pourquoi et leur dire, non, mais c'est l'activité humaine qui crée ça. Donc effectivement, la solution... Tout le monde n'en est pas persuadé aujourd'hui. Tout le monde n'en est pas persuadé, malheureusement, et même des gens au niveau des chefs d'État. Donc on a des gens qui nous disent, bah, moi, je ne crois pas. Alors oui, d'accord, enfin, aujourd'hui, quand une pomme tombe sur le sol... On dit, oui, c'est la gravité. On ne dit pas, non, je ne crois pas, que c'est notre théorie. Donc aujourd'hui, quand le GIEC nous apporte sa solution scientifique, sa théorie scientifique, on ne doit pas croire ou pas croire. On ne fait pas de sondage pour savoir si 2 et 2 font 4. On ne fait pas des référendums pour savoir si 2 et 2 font 4. Le domaine de la croyance, ce n'est pas le domaine de la science. Il y a un débat scientifique, comme il y a des scientifiques qui disent peut-être que ce n'est pas l'anthropocène, c'est-à-dire l'activité humaine. Nicolas ou Pascal, vous n'aimez pas ce débat? Non. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait encore débat, on va dire grosso modo, il y a 6 ou 7 ans. Aujourd'hui, en tout cas, les deux derniers rapports du GIEC, c'est incontestable et incontesté. Je voudrais juste revenir sur quelque chose, parce que ça me paraît important pour la suite des débats, c'est que vous avez parlé du temps. Et les scientifiques nous ont parlé du temps. Et ils nous ont dit qu'on avait 10 ans en ce qui concerne le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on a encore 10 ans. On a encore 10 Pourquoi ans. Pourquoi mais 10 ans, c'est demain. Mais 10 ans pour faire quoi? Pour éviter 2, pour éviter 3, pour ne, essayer de ne pas passer le cap de 2 ou de 2,5. Ce qu'il faut savoir, et je rebondis sur ce que vous avez dit, ce qui est très énervant... Premier rite du bonheur. Hein. Ce qui est très énervant... Enfin, il y a une solution possible. C'est que ce n'est pas du tout une question de capacité. C'est uniquement une question de volonté. Moi, je ne suis pas du tout pour revenir à la période de la charrette à cheval et du traîneau à chien pour tout le monde. Je suis pour utiliser la technologie, le génie humain, pour que l'humain utilise ce qu'il est le seul à détenir sur cette planète, c'est-à-dire l'intelligence, pour la mettre à profit de quelque chose de durable, de beau. Et là, je peux sourire en pensant à ça. Voilà. Et donc, je pense que c'est très important pour les débats à venir de savoir qu'il y a ce temps, c'est-à-dire 10 ans, et qu'il y a cette capacité. Et on est bien placés, les gens qui sont ici, on a eu des discussions tout à l'heure, sont bien placés pour savoir que les solutions, elles existent. Pascal, sur la question posée par Michael Coulisère, qui est, au fond, il y a un doute ou il y a un débat encore. Moi, je vais me retenir de ne pas aller sur le comment et dans les solutions, parce que j'ai envie de foncer, mais on a dit tout à l'heure le comment. Effectivement, il y a un débat. Moi, ça me dérange de parler de la science avec un grand S, parce que dans les scientifiques, il y a des météorologistes, il y a la Banque mondiale, il y a des économistes, on ne les entend pas assez, mais il y a quand même Vaclav Slim, il y a Gaël Giraud, il y a des économistes qui pensent ça, et il y a les physiciens et les biologistes. Donc, j'ai du mal à parler de la science comme ça avec un grand S, enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne. Effectivement, on entend aussi que la Banque mondiale dit que c'est trop tard. Et que de toute façon, si on continue comme ça, ils pensent qu'on va continuer comme ça, on sera au-delà des 4. Mais moi, je crois que maintenant, c'est le comment. Non pas le comment, boîte à outils, je sors mes petites, mais le comment, c'est-à-dire dans quel sens et qu'est-ce qui est le plus efficace. Donc ça, c'est la vraie question pour le moment d'aujourd'hui. Par rapport à ce que disait Nicolas Vanier, si je peux me permettre, dès le début, il a prononcé deux mots-clés, nature et émerveillement. Mais moi, en 25 ans de journaliste environnemental, je ne les entendais plus du tout. Ce mot nature, il avait disparu du vocabulaire des personnes qui analysaient la question de la transition. On parle d'écologie, mais on ne parle plus de nature. Voilà. Or, on parlera du déni tout à l'heure, mais il y a un véritable déni, même si on a des solutions, il y a un déni dans la population. Et reconnecter les gens à la nature et leur expliquer qu'il y a une traçabilité, justement, en tant que consommateur, quel impact a sur la forêt ce choix de papier, ce choix de mobilier, ça peut vraiment... parce que ça nous ramène directement dans la forêt, dans l'eau, dans l'air. Et c'est ça, l'écologie. Ce n'est pas uniquement du mental et des analyses. Parce que effectivement, juste un petit mot, parce qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai pu le constater, quand on demande à des enfants d'où vient le lait, ben, ils vous répondent du magasin. Ce qui est normal, il vient du magasin. Mais en effet, bon, c'est qui le patron essaye de rappeler que c'est des producteurs, des agriculteurs qui, et leurs vaches qui produisent du lait. En effet, je ne fais pas de pub, mais au passage, qu'est-ce que le banquier dit, à la fois le citoyen, de ce que nous a montré ou exprimé Nicolas Vanier? Le banquier, si je puis dire, il a trois réactions, Thierry. La première, c'est que je n'ai pas deux ingénieurs à côté de moi, j'ai deux entrepreneurs. Et si les consommateurs sont évidemment partie intégrante de la solution, si le politique, on y reviendra, hein, au sens organisation de la cité, est essentiel, on ne peut pas dire que le politique n'est pas au cœur des solutions, les entreprises sont aussi au cœur des solutions. Puis peut-être deux réactions sur ce qui était utopie et réalité. Réalité, le fait qu'on partage cette réalité, Nicolas, vous disiez, j'étais surpris, avec une surprise bienveillante, qu'il y ait beaucoup de monde ce soir. Il y a beaucoup de monde ce soir parce que c'est le sujet.
n'est pas un sujet qui est frais, c'est un sujet qui attire parce que le sujet passionne et ça participe de la prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est évidemment le premier facteur clé de succès, en tout cas, si on croit à cette transformation. Deuxième, c'est utopie. Vous l'avez dit dans votre présentation, c'est important. On réussira, je pense, collectivement cette transformation si on croit à un projet positif, si on sort de l'écologie punitive, si on sort de la vision décliniste. On débattra sans doute de l'idée de sobriété heureuse, cette espèce d'oxymore moi, qui m'effraie un peu. Moi, je crois au projet positif, je crois à la capacité de transformer. Si on arrive à démontrer effectivement qu'on peut avoir un monde demain plus vert, sans pour autant renoncer à consommer. Et l'exemple de l'automobile, je trouve passionnant. Ce qui se passe aujourd'hui sur l'automobile, la transformation. Il y a quelques années encore, l'automobile électrique, je pense à la Prius, n'attirait pas les foules. Aujourd'hui, la voiture électrique attire parce que des entrepreneurs, des visionnaires ont su inventer des voitures qui attirent, qui enthousiasment et qui finalement réconcilient le vert et le désir de consommer. C'est pour moi là un élément essentiel. Bon, mais ce que nous dit Pascal Derme au fond et ce que nous dit Nicolas Vanier, Nicolas Vanier nous raconte une forme de nature qui est en train de disparaître, parce que quand même c'est effrayant d'imaginer que vous nous annoncez la fin des ours polaires, la fin des rennes et la crise civile que va représenter le déplacement de la famille du jeune éleveur de rennes comme réfugié climatique. On ne se souvient pas, mais souvent, mais la Syrie, c'est d'abord la sécheresse dans cette région qui fait passer de la ville de Damas de 2 à 4 millions et qui déclenche la guerre. Bon, donc c'est ça à la clé. Hein. Bon. Vous nous dites, est-ce que ce n'est pas un peu naïf, pardon Pascal, mais vous nous dites qu'il faut se réconcilier avec la nature. Parce qu'on vit dans un monde artificiel, la consommation n'apporte plus de satisfaction et la nature pourrait nous apporter cette satisfaction. Est-ce que ce n'est pas un peu baba, un peu d'une autre époque? Est-ce que, compte tenu des enjeux qu'on vient de voir, vous n'êtes pas un peu à côté? Un peu baba, non. Il y a 350 études qui montrent à Stanford, dans les plus grandes universités du monde, 350 études, il n'y en avait que deux ou trois dans les années 90, scientifiques, oui, et y compris des sciences sociales, et j'y reviendrai, qui montrent que, en fait, les populations qui sont déconnectées de la nature souffrent de toutes les maladies dites de génération qui sont les premières causes de mortalité dans le monde. Donc on est très très loin du New Age, on est sur du diabète de type 2, l'hyperactivité des enfants, des maladies cardiovasculaires, 500 000 morts prématurées à cause de la pollution de l'air en Europe. Donc on n'est pas du tout sur du baba, au contraire on est sur un sujet sociétal massif qui tue les gens. Et en fait, c'est des données qui sont nouvelles. Donc voilà, on peut garder l'espoir. Effectivement, moi, je pense qu'on n'a plus le choix. Utopie, c'est l'irréalisé, hein, c'est pas l'irréalisable. Et transition écologique, ça induit une notion de progressivité qu'on n'a peut-être plus. En revanche, transformation écologique, oui, parce qu'on n'a plus le choix. Les gens sont malades, ils crèvent en fait de cet environnement pollué. Donc c'est une urgence absolue. De ce que nous a montré Nicolas, qu'est-ce que vous retenez, vous ? Des images ? Oui, de ce qu'il nous a dit aussi. Moi, je pense qu'on ne protège que ce qu'on aime et que ce qu'on comprend bien. Et à entendre Nicolas Vanier, Nicolas Hulot, que je connais, le dit aussi, il a aimé, il est amoureux, il y a un attachement émotionnel. Et donc, ça amène à avoir envie de comprendre comment ça fonctionne, un écosystème, comment ça fonctionne. Et là, induit la préservation. Ce n'est plus une injonction, c'est une évolution, je dirais, émotionnelle, non, logique, presque organique. Bon. Et ça, je retiens que ça, c'est très actif. Si on revient sur la grande question, c'est quand même comment chacun d'entre nous, j'allais dire nos concitoyens, c'est une formule éculée, parce que c'est les gens, nous, pourtant, il y a encore un doute. Comment prendre le dossier, le sujet, pour pouvoir progresser et vous amener, vous, à obtenir davantage de moyens? On va peut-être, pour que vous répondiez à cette question, raconter ce que vous faites les uns et les autres. Michael Coudizère, vous êtes en Corse, oui. on l'a dit. Vous êtes le fondateur de Corsica Sol. Qu'est-ce que vous avez dit, Nicolas ? Personne n'est parfait. Ok, là vous commencez à vous allez avoir des soucis ici. J'ai mis quelque chose sur son fauteuil, sa voiture, il va comprendre. Déjà, ils se sont engueulés au déjeuner, donc enfin, ça c'est un secret. Alors, vous êtes premier producteur d'électricité oui. indépendant en Corse. Oui. Alors, indépendant, ça veut dire non EDF, hein, c'est pas indépendantiste. Ok. Attention. Ah, une vraie PME.
Oui, mais enfin, EDF fait aussi un peu de solaire, non? Ah non, pas encore. Non, ils aiment bien le fioul et le gaz pour l'instant, donc non, pas encore. D'accord, ok, je continue à plomber. Et donc, vous faites du solaire? Oui. Mais vous faites du solaire que vous voulez efficace, c'est-à-dire que vous voulez que ça serve vraiment, notamment, par exemple, aux véhicules électriques. Oui. Alors qu'on se dit, sur une île comme ça, un véhicule électrique plutôt rural, enfin... Oui. Ça, c'est que pour les villes. Qu'est-ce que vous essayez de démontrer depuis quelques années? Combien êtes-vous? Oui. Comment avez-vous créé l'entreprise? Dites-nous, l'aventure Corsica. L'aventure, c'est une aventure qui a commencé il y a une dizaine d'années avec un ami du village, voilà, un ami du village de Corse. On a créé la boîte. C'était après vraiment le Grenelle de l'environnement. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Moi, j'étais ingénieur, hein, ça me plaisait tout ce qui était renouvelable. Donc, on a dit, bon, on va y aller. Donc, on a commencé à faire des petits hangars photovoltaïques pour les agriculteurs. Et puis, une chose et l'autre, on a développé la société, développé des centrales de plus en plus grosses, grande échelle. Puis après, on a fait en Corse, on a fait sur le continent, à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion, donc bon, et un peu partout sur le territoire français. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de salariés, donc pas qu'en Corse, beaucoup à Bastia, beaucoup à Paris, Bordeaux, Marseille, donc Guadeloupe, Réunion. Ça, c'est Corsica Sol. Et donc aujourd'hui, nous, on est un producteur d'énergie. Alors, d'électricité, effectivement, parce que l'énergie elle est produite très très loin dans le soleil. Mais nous, on ne fait que la transformer, ça c'est simple. Et les îles ont une particularité, on ne le savait pas au point de départ. Nous, on était de Corse, donc on ne s'était même pas posé la question. Mais les îles, ben, oui, c'est une île. Donc en fait, on n'a pas de câbles qui sont trop reliés au continent. Donc du coup, ben, l'île consomme l'électricité qu'elle produit sur place. Et alors, il y a beaucoup d'énergie renouvelable dans les îles. Alors ça, c'est génial, il y a plus de 30% d'énergie renouvelable dans les îles. Bon. Ça crée quand même un petit problème parce que, en fait, le gestionnaire de réseau, qu'est-ce qu'il doit faire en France sur tous les réseaux? Il doit faire en sorte qu'il y a autant de production que de consommation. Sinon, c'est blackout. Et alors, le problème, c'est que si vous avez beaucoup d'énergie renouvelable, quand il n'y a plus de vent, ben, on ne peut pas demander aux gens de oui, si vous ne la stoppez pas, quand il n'y a plus de vent ou qu'il n'y a pas de soleil, exactement. Ça ne marche pas. Et donc, c'est l'intermittence. C'est ça, exactement. Et donc, quand on franchit le seuil des 30%, le gestionnaire il dit « Oh là là, moi, je n'arrive plus trop à gérer. Maintenant, il va falloir que vous stockiez votre énergie pour la lisser. » Donc, nous, c'est ce qu'on fait dans les îles, en Corse en particulier, depuis maintenant 5 ou 6 ans. C'est-à-dire que quand on fait une centrale solaire, on met des batteries. Quand il y a trop de soleil, on stocke. Quand il n'y en a plus assez, on déstocke. Et on peut comme ça délivrer une énergie toute plate, vraiment, très visible, du jour pour le lendemain. Les batteries, ce n'est pas encore assez puissant, ce n'est pas des batteries pour des villes, c'est pas des... Enfin, où est-ce qu'on en est? Et si, bah oui, bah effectivement, ouais, les batteries, aujourd'hui, il n'y a aucun problème pour alimenter une ville. C'est les mêmes batteries qu'on a dans l'industrie automobile, hein, des batteries Tesla, donc ça va être des batteries LG qu'on connaît bien dans les téléphones, des batteries Samsung. Bah, ces gens-là, en fait, ils font des batteries, puis si vous en remplissez une salle comme ici, bah, vous alimentez tout Marseille pendant 3-4 heures. Non, vraiment, c'est faisable. Donc, nous, on le fait en Corse, il n'y a aucun souci. Ça se fait. Et en plus, non seulement c'est techniquement robuste, c'est écologique, parce que ça reste une énergie totalement solaire. Et en plus, c'est économique. Parce qu'aujourd'hui, notre énergie solaire plus nos batteries, c'est deux fois moins cher que cramer du fioul. Parce que ce qui fournit l'électricité, normalement, principal. En Corse. Voilà. Attendez, je voudrais passer la parole à votre confrère et collègue. Thierry, juste une précision. Parce que je voudrais... Non, mais le prix des batteries, je ne sais pas si tout le monde a conscience de ça, hein, dans le partage d'informations, a baissé de 85% sur les 10 dernières années. Il va encore baisser de moitié dans les 5-10 prochaines années. Donc on voit que la transformation en temps court, temps long, sur des sujets comme cela, parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui prennent ces sujets, c'est possible. Oui. Bon, mais je voudrais passer la parole à Jean-Yves Grandidier. D'abord, Jean-Yves, dites-nous ce que vous faites, vous aussi, parce que vous faites le même métier que Michael Coudizère. Vous l'avez fait comment, pourquoi, à partir de la région Aquitaine, vous est venue cette idée, le vent là-bas peut-être, les Landes, enfin, comment c'est parti? Comment est né Valorem? Non, il n'y a pas beaucoup de vent en Aquitaine. C'est l'endroit où il y a le moins de vent en France et il n'y a pas beaucoup de soleil non plus. Il y a moins de soleil, en tout cas qu'ici. Non, moi j'ai créé effectivement Valorem il y a 25 ans, 94, bureau d'études spécialisé dans les énergies renouvelables parce que je sentais qu'on allait un petit peu dans le mur. À l'époque, c'était plutôt que le changement climatique, c'était le problème de la pénurie d'énergie fossile. Hein. Et donc j'ai créé ce bureau d'études. Et aujourd'hui, on est effectivement devenu producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'en fait, on fait, si je fais une comparaison par rapport à EDF, on a à peu près le même métier que EDF, hein, mais on a deux différences. C'est que nous, on fait ça avec des énergies renouvelables, du solaire, de l'éolien, de l'hydraulique, de la biomasse, alors que EDF le fait plutôt avec du nucléaire aussi. Ils ont quand même un parc hydraulique non négligeable. Maintenant, avec EDF Énergie Nouvelle aussi, des renouvelables. Et puis la deuxième différence, c'est qu'on est un petit peu plus petit, mais ça ne va peut-être pas durer.
Alors, bon, c'est bien, vous avez décidé de manger EDF un jour, mais tout de même, vous avez publié un livre avec notre confrère Gilles Luneau, il y a quelque temps, qui s'appelle « Le vent nous portera ». C'est 2017, c'est tout près, hein. Donc « Le vent nous portera », on a compris, l'éolien, qui est évidemment une de vos sources énergétiques de départ. Mais vous êtes très dur dans ce livre, parce que vous parlez de mensonges sur le mix énergétique et de sabotage des énergies renouvelables. De quoi parlez-vous? Qui sabote alors que tout le monde est d'accord aujourd'hui pour qu'on aille dans ce sens-là? De quoi s'agit-il? Le problème, en fait, c'est que depuis 40 ans, on a l'électricité à la maison, correctement. Quand on allume la lumière, bon, ça vient, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu de gros problème d'accident avec nos centrales nucléaires, au moins en France. Et donc, les gens se disent qu'on est un peu... Excusez-moi, j'en prends une expression un peu forte, mais parfois, il faut choquer un petit peu. On est le cul dans la graisse, quoi. Et on se dit, finalement, ça va pouvoir durer éternellement. Et on ne s'aperçoit pas que nos centrales, qui produisent 80% de notre électricité, bien, elles vieillissent et qu'il va falloir soit les prolonger leur durée de vie, soit les remplacer. Et qu'en parallèle, on a les énergies renouvelables qui peuvent, effectivement, qui sont aujourd'hui pas chères, etc., qui peuvent les remplacer. Et le problème, en fait, qui se passe, c'est que EDF, en particulier, aujourd'hui, il fait 90% de la production d'électricité en France. En 2050, dans un mix électrique, et c'est l'objet de mon livre, 100% renouvelable, ou 80% de ces 100%, c'est l'éolien plus le solaire, et je les associe tous les deux parce qu'ils sont complémentaires. Hein, ils sont complémentaires. C'est les énergies qui sont les moins chères aujourd'hui, même toutes confondues, et c'est les énergies renouvelables dont il y a le plus grand potentiel de développement. Eh bien, le problème, c'est qu'EDF, il aura 40% de part de marché. Et je pense que c'est ça qui est le problème clé pour le fait de ne pas aller dans cette transition. C'est que ce n'est pas acceptable dans nos têtes, et c'est un petit peu ce schéma mental, c'est cette révolution mentale qu'il faut qu'on fasse. Et là-dessus, moi, je suis d'accord avec ce que disait Michael, c'est les artistes, les philosophes, les scientifiques, enfin, pas les scientifiques, justement, nous, on fait notre part du boulot, c'est la plus facile. La plus difficile, c'est de changer les schémas de pensée, les schémas de valeur. Et ça c'est plutôt votre boulot, et je vous regarde dans ce sens-là. Et donc, effectivement, ils n'arrivent pas à accepter ça. Et puis, c'est les problèmes sociaux. Quand on veut fermer Fessenheim, eh ben, c'est des levées de boucliers. Qu'est-ce qu'on fait des emplois? Donc voilà, on est confronté à ces problèmes-là, et il faut arriver à enclencher le plus rapidement possible cette transition pour que ça crée du boulot, que ça crée du job, et qu'on puisse dire... justement, à ces salariés d'EDF, vous allez trouver des boulots intéressants dans le coin. Je prends par exemple un exemple de Gardanne. Gardanne, c'est une centrale à charbon qui est dans la région. Bon, on parle de la fermer en 2022. Or, des centrales à charbon comme Gardanne, on en a besoin. On en aura besoin dans la transition énergétique, mais pas pour brûler du charbon. Pour brûler du bois, des déchets de bois, qu'on brûlera pendant 400 heures par an en appoint, on n'aura pas besoin d'importer du bois du Canada comme on fait actuellement à Gardanne. Et puis, au large des Bouches du Rhône, dans quelques années, en 2035, vous allez avoir des centrales éoliennes offshore flottantes. Vous en aurez beaucoup. Et elles vont produire plus que de besoin à ce moment-là. Eh bien, Gardanne, on pourra l'utiliser pour mettre des électrolyseurs et stocker les surplus de cette énergie, faire de l'hydrogène. Très bien. Mais et là, on a besoin des savoir-faire que les gens de Gardanne ont, parce que c'est des industries, ce qu'on appelle des industries classées pour la protection de l'environnement, et on a besoin de ces savoir-faire, et il ne faut pas les détruire. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut arriver à montrer qu'on a besoin d'eux et qu'on ne va pas les laisser sur le bord du chemin. Je voudrais qu'on regarde les images de ce que vous faites, par exemple, dans les îles comme vous, ailleurs qu'en métropole ou la Corse. Et notamment comment vous travaillez. On a des images donc de Valorem qu'on va regarder tout de suite. J'ai toujours été passionné par les métiers de l'environnement, ce qui a motivé le choix de ma formation vers le NSCPB à Bordeaux, puis le management d'environnement à l'INSA de Lyon. Le hasard a fait que j'ai croisé la route du groupe Valorem. La Valoupe, c'est le pays où je suis né, le territoire qui m'a vu naître, grandir.
On a un objectif à l'horizon 2030 d'être totalement autonome en énergie. C'est un projet qui amène d'un coup 10% d'électricité verte sur le réseau guadeloupéen, avec 16 MW de puissance installée, une couverture de plus de 17 000 personnes en électricité verte. La CEPAC s'est reconnue dans les valeurs éthiques très fortes que porte le groupe Valorem, et c'est tout naturellement qu'ils ont souhaité nous accompagner dans le développement même de ce projet. Je trouve que ce sont des éoliennes qui s'intègrent parfaitement dans le paysage. C'est un projet qui me met concrètement acteur de la transition énergétique de la Guadeloupe, et c'est ce qui me plaît plus particulièrement. Alors ça, c'est Valorem, et je voudrais qu'on voit aussi les images que vous nous avez apportées des centrales photovoltaïques que Corsica Sol développe. Oui. Ah, ça, c'est quelle surface? Parce que c'est considérable, ça. Oui, ça, c'est gros. Hein. Ça, c'est une vingtaine d'hectares. Alors, c'est la plus grosse Vous en avez combien comme ça en Corse? Deux. De deux. Alors, en fait, c'est très les grand. Images, il faut savoir une chose. Voilà. C'est beaucoup mieux que le Roundup. C'est un lama, ça? Ouais, c'est un lama. Non, il y en a. C'est des lamas en Corse? Ah oui, ça adapte très bien au climat corse. Alors ça, pour désherber, il n'y a pas mieux. Vous en mettez deux, et ça vous fait 2 hectares dans l'année. Parce que vous avez besoin de désherber en même temps que... Parce que quand l'herbe monte trop, ça fait de l'ombre sur les panneaux. Je croyais que c'était le Pérou, mais non, c'est la Corse, vous n'êtes pas encore installé au Pérou. On a essayé. D'autres images encore. Ouais. Alors ça, c'est un hangar agricole, tout simplement. Il y a une toiture, on met des panneaux dessus, il n'y a pas besoin de s'embêter. Et puis après, la dernière image, je ne sais plus. Ah oui, alors ça, voilà, on parlait des véhicules électriques. Ça, c'est une bande de recharge. Ça existe, hein, c'est pas une photomontage, c'est une bande de recharge qu'on a installée à Ajaccio, sur le port. On voit pas derrière, mais enfin derrière il y a des bateaux. On est sur le port d'Ajaccio là, et ben là ça recharge un véhicule électrique à l'énergie solaire. Alors c'est une photo de nuit. Éclairée. Exactement. Et alors en fait, il faut savoir que parce que dans les pieds là de cet objet, il y a des batteries. Donc du coup, on stocke l'énergie. Vous parlez de la voiture ou vous parlez Non, je parlais vraiment des pieds. Les pieds, on appelle ça un parasol chez nous. Donc on stocke l'énergie solaire si on a trop, et quand un véhicule vient la nuit, ben on déstocke. Je loue, par exemple, votre véhicule électrique. Je peux faire Ajaccio-Bastia avec la voiture sans risque. C'est ça qui est beau. Ouais, vous faites Ajaccio-Bastia, nous on l'a fait même avec la Zoé de la première génération. Donc ça se fait. Donc en haut on flippe, puis après les batteries se rechargent quand on redescend la montagne. Donc non, ça marche bien. Alors, mais depuis, il paraît qu'il y a une question. Qu'il y avait une question. Alors je voudrais qu'on la voit cette question, si on peut pas nous la remettre. Voilà. Y a-t-il une solution écologique au recyclage des batteries? C'est une des grandes objections qui vous est faite quand même. Hein. On ne peut pas stocker, vous venez de nous dire que si, ok maintenant, mais quand même, les métaux rares, la Chine qui achète l'essentiel des terres des métaux rares, il y a un vrai problème stratégique et géopolitique là. Ouais, alors effectivement, batterie, en fait on pense batterie chimique, hein, les batteries au plomb, les batteries lithium-ion. On prend des métaux dans la terre pour les mettre dans des boîtes. C'est pas génial, franchement c'est pas génial, c'est pas la solution ultime, mais en tout cas aujourd'hui, c'est nettement mieux que de cramer du fioul, mais nettement mieux. À terme, on est en train de développer des technologies, par exemple avec de l'hydrogène. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Là, on prend de l'eau, on sépare le O2 et le H2. Après, on reprend le H2, hop, on recombine avec l'oxygène. Ça fait de la flotte dans le pot d'échappement, mais entre-temps, on a déstocké l'électricité. Donc en fait, des solutions pour stocker l'énergie, il y en a plein. Il y en a effectivement qui... Oui, mais vous venez de nous dire que c'est pas très propre. Non, c'est pas très propre, mais c'est bien mieux que tout ce qu'on fait aujourd'hui. On le mesure, ça, la différence de production de CO2 entre les deux ou de pollution. Ah non, mais systématiquement, l'ADEME a une rigueur sur le calcul des bilans carbone. Quand on fait le calcul du bilan carbone d'un véhicule électrique, on tient compte de absolument tout le cycle. Et on regarde même, sachant qu'un véhicule électrique a consommé plus de CO2 lors de sa fabrication qu'un véhicule thermique, après on dit oui, mais enfin, il va quand même faire 10 000 km par an. Et donc, au bout de 5-6 ans, on fait le bilan. Et est-ce que le véhicule thermique a été mieux que le véhicule électrique? Bien sûr que le véhicule électrique, il est 100 fois mieux. Ça dépend du réseau. Parce qu'effectivement, si mon véhicule électrique il fait le plein à partir d'énergie produite au fioul, ça ne sert à rien. D'où mon parasol qui remplit le véhicule électrique à partir d'énergie 100% solaire. Du solaire ou de l'éolien, etc. Oui. Si je puis me permettre... Nicolas, vous en prie. Tout cela nous montre quelque chose dont il faut absolument, je pense, parler et débattre peut-être. C'est qu'on n'y arrivera pas de toute façon sans une certaine sobriété. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Effectivement, le photovoltaïque, l'éolien, et on a parlé encore d'autres prouesses formidables, il n'y a pas de solution miracle. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on réduise le gaspillage qui est absolument colossal à l'échelle de la planète. Et c'est pour ça que j'aime effectivement ce titre de ce livre formidable de Pierre Habib,
la sobriété heureuse, c'est qu'il va falloir de toute façon se réduire. Et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut une reconnexion. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, vous le disiez, les gamins, ils appuient sur un bouton, il y a l'électricité. Ils tournent le robinet, il y a de l'eau. Ils vont au magasin, il y a du lait. Et ils ne se rendent plus compte que tous les métaux pour mettre dans les batteries, tout provient de cette petite planète qui n'en peut plus et qu'il va donc falloir cesser la surconsommation, qu'il va falloir cesser le gaspillage. Et encore une fois, ce n'est pas une mauvaise nouvelle parce que cette surconsommation effrénée nous emmène nulle part. Vous parliez de bonheur tout à l'heure. Moi, je suis désolé, faire la queue pour avoir le dernier iPhone, je préfère être à la queue leu-leu derrière des rennes pour traverser la Sibérie. Quoi. Oui. Non, mais je résume. Même si ce n'est pas donné à tout le monde. Mais je parle de cette reconnexion à la nature qui est essentielle à deux titres. Pas simplement parce qu'il faut aller voir les oiseaux et marcher dans la forêt, parce qu'effectivement, ça fait beaucoup de bien, mais aussi parce qu'il y a encore pas très longtemps, nous avions tous un papa ou un grand-père paysan qui nous permet d'avoir cette connexion, qui nous faisait prendre conscience qu'un steak sous cellophane, ça a des yeux, ça a des oreilles, ça a donné sa vie pour nous, et ça nous interdit le gaspillage. Pascal Derme. Alors, pour les enfants, c'est particulièrement terrible, parce qu'un enfant qui n'a pas été avec son grand-père voir une rivière, pêcher dans une rivière où il y avait des poissons, et il retourne plus tard et il constate qu'il n'y a plus de poissons, s'il n'a pas eu cette histoire-là, il repartira de la rivière où il n'y a pas de poissons et ses enfants, encore moins de poissons, etc. Et on appelle ça le risque d'amnésie générationnelle. Et ça nous conduit droit dans le mur. Parce que moi, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a un déni aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression que ces solutions existent. Encore faut-il que les usagers, que les consommateurs, que les gens les utilisent, ces solutions, et qu'ils y croient. Or, on est quand même face à un déni qui est lié à une distanciation qui est lié à une distanciation temporelle, qui est lié à une distanciation géographique, parfois technocratique, c'est-à-dire c'est un discours et des chiffres que les gens ne comprennent pas ou qui leur paraît trop lointain. Donc pour moi, la solution, et pour vous, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous faites, c'est la reterritorialisation. Parce que vous parlez, ça veut dire quoi, la reterritorialisation? Alors, je vais y venir. Parce que tu parles de reconnexion, effectivement, et y a aussi une reterritorialisation, une réappropriation, c'est plus compréhensible, à la fois des enjeux d'énergie, d'alimentation, de santé. Et ça, parce que le sujet qu'a posé d'emblée Jean-Yves Grandidier, peut-être sans s'en rendre compte, c'est que pour lui, il nous annonce qu'en 2035, au large du château d'If, il y aura plein d'éoliennes. Très bien. Enfin, moi, j'ai entendu dire que le projet au large de Nantes ou près de Dunkerque est contesté. Enfin, il y a ce qu'on appelle, dans les termes pompeux du moment, là, journalistique, l'acceptabilité ou la non-acceptabilité par le public. Et puis, c'est les gilets jaunes. Enfin, on sort d'une crise sociale. Comment est-ce que vous résolvez cette question? Pour vous, c'est naturel intellectuellement, et pour vous, c'est naturel quand on trouve le banquier et qu'on y arrive. Bon, est-ce que c'est si naturel que ça? Pardon, mais non, ça ne va pas de soi. Comment vous résolvez la question de l'acceptabilité, c'est-à-dire de la sensibilité de la majorité du public, de l'entre nous, des Français ou dans les autres pays, à accepter toutes ces solutions? Ce n'est pas accepté automatiquement, non. Alors, je peux apporter un petit élément de réponse, très, très modestement, qui me paraît intéressant et qui me paraît sortir de l'ornière un petit peu de ces questions qu'on se pose souvent. Elles sont apportées par les sciences sociales. C'est-à-dire qu'en fait, un chercheur qui s'appelle Stockness montre que, et qui a écrit un livre qui s'appelle « À quoi on pense quand on ne pense pas au changement climatique », montre que c'est plus la peine d'accumuler plein de données comme ça, de rapports, des chiffres, etc. Mais c'est qu'en faisant l'expérience, en comprenant le bienfait que vont nous amener ces énergies renouvelables sur un territoire, en comprenant que ça crée de l'emploi aussi, que ça favorise la réinsertion, et en constatant de leurs yeux, en touchant cette réalité, ce mieux vivre ensemble que ça crée, ces liens sociaux que ça crée, eh bien, c'est à ce moment-là qu'ils accordent de la valeur et de l'intérêt, qui changent leur comportement. Donc c'est en profitant... Il y a quelqu'un qui disait, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? C'est-à-dire qu'à l'instant, quelqu'un suggérait qu'on gratifie les vertueux, c'est-à-dire ceux qui choisissent de se comporter en dépensant un peu moins de CO2 hein, dans l'année. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de les gratifier, Nicolas Vanier? Y a beaucoup de choses. C'est effectivement qu'une fois qu'on a dit que le consommateur avait un rôle important, il y a beaucoup de choses effectivement que les États peuvent faire ou qu'ils pourraient faire. Lorsque j'insiste sur le rôle du consommateur, c'est parce que je vois malheureusement que les États ne font rien, que certains reviennent sur des promesses qu'ils ont données. Alors,
tout cela étant dit, effectivement, on ne fera pas d'omelette sans casser des œufs, quelle que soit la politique adoptée, que ce soit l'éolien, que ce soit le photovoltaïque, et il faut aller vers ces énergies. Ce qu'il faut, encore une fois, ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'il faut aller vers l'économie. Et pour cela, je pense effectivement qu'il faut provoquer un petit peu les consciences. Moi, je suis assez effaré de voir depuis quelques semaines que je me balade avec mon film, de l'impact que peut avoir cette réalité que j'explique, qui est que nous avons perdu en Europe un tiers des oiseaux. Un tiers. Qu'un second tiers va disparaître. Et donc la question est tout simplement de savoir si dans 20 ou 30 ans, quand on va se balader en forêt, si on va devoir mettre des écouteurs pour entendre quel était le chant des oiseaux qui a été enregistré à une époque où il y en avait encore. Non, mais la disparition de 100% des oiseaux. Qu'est-ce que ça provoque? C'est immédiatement, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est utiliser ces technologies qui sont à notre disposition, un, et deux, faire des économies. Parce que des économies, on en voit, mais même ici, même aujourd'hui, partout. Dans un instant, je voudrais que vous reveniez en nous expliquant ce que vous faites parfois avec les entreprises et ce que ça suscite dans les réactions des salariés eux-mêmes. Mais d'abord, je me tourne vers le banquier à nouveau. Parce que, tout de même, le modèle économique, c'est la croissance. Et même coopérative, même mutualiste, une banque est dans cette dynamique. Comment, alors, vous êtes peut-être allé chercher déjà des relais de croissance, puisqu'on voit que vous gagnez de l'argent, j'imagine, avec, en tout cas, ils vous remboursent. Je ne veux pas rentrer dans le dossier, mais vos deux clients. Comment est-ce que ça devient un élément de profit tout de même pour vos mandants et en même temps, comment ça ne vous inquiète pas de voir ce débat sur la baisse de la croissance et de l'activité? Alors, ce débat, non seulement il nous intéresse, il nous passionne, mais c'est même un choix stratégique pour la CEPAC d'y être allé. Alors peut-être quand même deux, trois mots de présentation rapide, hein, pas de film, de vidéo, mais peut-être quatre chiffres ou quatre items pour nous présenter rapidement. Joël y est revenu dans son introduction, mais la CEPAC, c'est qui, c'est quoi? Une grande banque régionale de proximité sur un territoire PAC Provence-Alpes-Corse et aussi les îles, La Réunion, les Antilles, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon. Je les salue d'ailleurs parce qu'ils doivent nous regarder ou nous écouter, hein, c'est très important. Donc une grande banque de proximité qui sert aujourd'hui 1,5 million de clients, particuliers, professionnels, entreprises, collectivités locales. Autant d'acteurs engagés, hein, dans cette grande transformation. Pour servir ces 1,5 million de clients, 3100 collaborateurs, on a mis au fronton la satisfaction de nos clients. Et puis nous sommes, une façon de répondre aussi à votre question, une banque coopérative, 300 000 sociétaires qui sont les détenteurs de la CEPAC. Nous appartenons à nos sociétaires. Alors, c'est finalement pourquoi ce sujet et pourquoi la CEPAC a embarqué, il y a déjà des années, Joël l'a dit, ce sujet, pour deux raisons. Une raison, je puis dire, toute simple, naturelle, la géographie. Le soleil brille, le vent souffle sur nos territoires, notamment dans les îles. Mais le soleil brille et il fait froid dans les Alpes de Haute-Provence. C'est plutôt bon pour le photovoltaïque. Très bon. Oui. Donc, il y a évidemment des raisons géographiques qui faisaient que. Pour autant, il y a eu un choix stratégique, volontaire. Et je reviens là au rôle des entreprises. En tout cas, c'était une volonté très forte il y a déjà des années, pas la semaine dernière quand on a préparé cette rencontre, de considérer à la fois parce que c'était un secteur en développement, le penser déjà il y a presque 10 ans, et puis penser, il y a déjà 10 ans, que c'était en plus un secteur porteur de sens. On en revient à des projets positifs, constructifs, pour la société. Mais est-ce que c'est rentable? Alors attendez, avant de... Non, mais parce que le sens, très bien, mais moi je repose rentable, la question. Mais nos entreprises sont rentables. On n'est pas ici des philanthropes. Et par rapport à la situation qui est là, c'est justement aider des entreprises qui démontrent que ces modèles économiques sont viables, à la fois sur le plan industriel, financier, etc. Il fallait faire ce choix il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, quand on parlait de l'éolien ou du photovoltaïque, même si c'était un peu la mode, on pouvait sourire. Il fallait faire le choix, il y a 10 ans, de proposer et donc de permettre à des sociétés de se lancer, de faire des packages pour que les particuliers, pardon, s'équipent en panneaux photovoltaïques. Il fallait faire le choix, il y a 10 ans, de faire un premier arrangement pour des toitures de grands distributeurs. Il fallait faire aussi le choix, il y a 10 ans, maintenant on a une équipe de près de 30 personnes, de constituer une équipe qui soit en capacité d'accompagner ces entrepreneurs. Vous savez, il y a un grand patron qui n'était pas banquier, François Dalle, patron de L'Oréal, qui disait « il faut savoir saisir ce qui commence ».
bien la CEPAC a su saisir il y a quelques années, et je ne vous cache pas qu'on est très fiers lorsqu'on voit ces films, ces réalisations, et puis quelque part qu'on participe à ces débats en tant qu'acteur engagé sur ce qui est en train de s'annoncer. Alors, l'entreprise elle-même, vous travaillez, vous êtes sollicité par des entreprises, Nicolas, pour les aider à prendre le virage aussi. Exemple, Carglass, par exemple. Non, c'est comment baisser l'empreinte écologique. C'est la seule chose finalement qui est intéressante, parce que sinon, faire des exposés sur la biodiversité, sur la nature, on s'en fiche un petit peu. Donc, comment baisser l'empreinte écologique de l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'on analyse compartiment par compartiment, secteur par secteur, quel est le bilan carbone, et on regarde secteur par secteur comment on peut avoir un objectif raisonnable de baisse de 5% par an ou 10% par an. C'est une contrainte de plus pour les salariés, alors. Ce qui est assez enthousiasmant, c'est de se rendre compte que de façon systématique, parce qu'on a fait des sondages où les personnes n'étaient pas obligées de mettre leur nom, donc ils ne se faisaient pas engueuler par le patron, mais grosso modo, excusez-moi du terme, grosso modo, à chaque fois, tout le monde disait « fais chier ». Voilà. Quand il arrive, on se dit « oh là là, voilà, qu'est-ce qu'il va nous demander de faire ?» il va falloir arrêter ceci, cela, oh là là, on a autre chose à faire, nous, il faut qu'on bosse. Et un an ou deux ans plus tard, c'est des gens qui sont fiers, qui même auprès de leurs amis, auprès de leur famille, font état des économies énormes qu'ils ont pu faire. Et au-delà de ça, encore une fois, j'aime bien le concret, vous citez très rapidement un exemple, parce que j'adore cet exemple-là, parce que je pense que c'est ça, on parlait tout à l'heure de positivisme, une société dans laquelle on s'est rendu compte qu'il y avait un nombre incalculable, plusieurs centaines de déplacements en avion, classe affaires. On a mis en place un système de visioconférence qui permet, avec un interlocuteur... On se fait un Skype plutôt qu'un aller-retour en avion. À New York ou même à l'autre bout du monde, de pouvoir déjeuner, de pouvoir se transmettre des documents. Et on a réduit, mais de façon absolument énorme, la consommation, entre guillemets, d'heures d'avion, parce que ce n'est pas simplement de l'argent, ce n'est pas simplement du pétrole, c'est de l'heure, c'est du pétrole et c'est de l'argent. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Économie énorme, parce que 10 heures d'avion à l'aller, retour, jet lag, machin, je ne vous raconte pas. Argent, parce qu'un millier de billets en classe affaires, ça coûte cher. Qu'est-ce qu'a fait le patron ? Il a dit, je prends la moitié de cette somme, et je vais fabriquer des grands gymnases, à la fois pour les salariés, pour les enfants, et une aire de repos pour que les salariés puissent faire la sieste, parce qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, avec 20 minutes de sieste, on gagnait en efficacité. C'est Google ? Tout le monde est gagnant. C'est Google ? Tout le monde est gagnant. Absolument. Tout le monde est gagnant, sauf effectivement ceux qui fabriquent des avions et qui vendent du pétrole. Bon. Alors, je vous en prie, on peut... Et alors, pardon, mais vous, vous êtes chef d'entreprise aussi. Vous produisez, vous réalisez des films. Un tournage, ça consomme... vous appliquez vos règles, vos propres préceptes chez vous ? On essaye d'appliquer à soi-même ce qu'on recommande aux autres. Et effectivement, sur les deux derniers tournages, on a eu une démarche progressive qui a consisté, pareil, à demander à chaque chef de poste qu'est-ce qu'on pouvait faire pour réduire l'empreinte écologique. Et même démarche, tout le monde, oh là, parce que vous savez, un tournage, c'est parfois 14 heures, 16 heures de travail par jour. On a autre chose à faire qu'à se préoccuper de ces questions. Donc, fait chier encore. Et au final, dès la première semaine de notre dernier tournage, les 100 techniciens reçoivent un mail qui, par exemple, leur disent « Cette semaine, nous avons économisé 8464 bouteilles en plastique grâce à vous. » Et tout le monde a renvoyé ce mail à sa famille, à ses amis, fier de ce que nous avions réussi à faire. Et j'aime effectivement parler de ces exemples, parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être avoir un petit peu moins, consommer un petit peu moins, mais finalement on est mieux. On se rend compte qu'on est mieux. Pascal, qu'on vit mieux. C'est le mot « de moins en mieux ». Je voudrais rebondir sur ça. De moins en mieux. De moins en mieux. Le mot croissance, peut-être qu'il va falloir trouver quelque chose d'autre, parce que j'ai lu c'est un petit peu provocant, mais c'est effectivement la croissance est-elle finie ? Sur quel terme, sur quel fondement on peut en continuer à en parler ? Mais moi, je voudrais rebondir plutôt sur ce que vient de dire Nicolas Vianney. Il y a une étude qui vient d'être publiée en juillet 2019, qui me semble intéressante, par Carbone 4, Jean-Marc Jancovici et Novetic. C'est un think tank Carbone 4 qui réfléchit sur les questions d'énergie pour les entreprises. Et qui montre que bon, les Français, on est à 10,8 tonnes de CO2 par habitant et par an. Il faut qu'on arrive à 2 tonnes. Donc, si on veut ne pas dépasser beaucoup les plus 1 ou plus 2 degrés d'ici 2100, ce qui va être difficile. C'est 10 à 2, ça donc, va être chaud. Ce qui est intéressant, c'est si on prend un scénario, ils appellent ça le scénario héroïque,
pour passer de 10,8 à 2 tonnes. Ça veut dire que les Français, ce qui est le plus efficace, on s'interroge sur l'efficacité de l'action justement individuelle, c'est effectivement tout ce qui est lié au logement, s'acheter une chaudière, mais ça il faut des aides, il faut des techniques. C'est manger moins de viande, ça c'est très impactant, ça a beaucoup d'impact. Ça c'est pas forcément technique comme solution et chacun peut le faire. Ensuite, il y a la mobilité douce, les vélos, les voitures électriques. Et ensuite, il y a moins consommer de vêtements, etc. Mais même si les Français font tout ça, ils sont à un quart des objectifs fixés de ces 80% de réduction de tonnes. Qu'est-ce qui va faire les trois quarts des efforts ? Les entreprises et l'État. Et donc là, on voit bien en fait la complémentarité de ces minorités actives sur les territoires qui sont les entreprises, l'État et les individus pour les entraîner, pour qu'on ne tombe pas dans des injonctions et dans de trop volontaires. Et alors, Didier Moatté, qu'est-ce qu'on fait à la CEPAC pour réduire, je sais pas, les voyages, la consommation ou la production de CO2? Je voudrais, si vous me permettez, réagir sur ce qui vient d'être, dit. À la fois sur, je reviens sur le sujet, sobriété, l'exemple. On a ici, dans la région de Marseille, en étant extrêmement réaliste et concret, des milliers de salariés, de Airbus, Eurocopter, etc. Et donc, on est en fait en face de cette grande difficulté qui est de réconcilier ce qu'un président célèbre parlait entre la fin du monde et la fin du mois. Et c'est le sujet de cette réconciliation et donc d'une transformation profonde qui permette. Effectivement, quand on touche au diesel, on touche immédiatement une classe qui, elle, sobriété pour qui ? Comment je fais en sorte de que cette transformation écologique positive concerne tout le monde et puisse embarquer tout le monde ? Alors, très concrètement, vous avez raison, il y a au moins deux sujets sur lesquels il y a beaucoup à faire et qui concentrent plus de la moitié des émissions de CO2, c'est le logement et l'énergie. Le logement, il y a beaucoup à faire. Nous faisons beaucoup pour le logement. Donc le logement, c'est à la fois le particulier qui achète et qui, dans son effort d'investissement, fait en sorte d'acheter des logements propres, si je puis dire. Il y a le fait que la banque, la CEPAC, va engager des programmes de promotion avec d'autant plus de dynamisme, de moyens, que ces programmes seront verts, labellisés, HQE, etc. Et puis, je voudrais prendre une autre illustration qui me paraît très symbolique de cette réconciliation entre toutes les classes. La sobriété pour qui ? C'est le logement social. Parce qu'une façon de faire en sorte que le logement, évidemment, consomme moins, ce sont tous les travaux de rénovation. Hein, pour avoir des ordres de grandeur, il y a 35 millions de logements en France. 7,5 millions de logements sont des logements qui sont dans les plus basses catégories de consommation énergétique. C'est ça l'enjeu. 700 000 logements. Et pourquoi vous nous en parlez ? Parce que vous allez financer aussi du logement social qui est en difficulté en ce moment ? Parce que le logement social, c'est un double sens. Sens parce qu'on accompagne des populations qui sont effectivement les populations les plus en difficulté. Et puis parce que c'est évidemment de l'habitat collectif, plutôt ancien et plutôt consommateur de CO2. Si je prends deux illustrations très concrètes de filiales du groupe Caisse d'Épargne, puisque le groupe Caisse d'Épargne est ici le principal opérateur en termes de logement social, c'est l'OGIREM qui voit son parc de logements propres, au sens vert du terme, au sens consommation de carbone, augmenter 10 points chaque année, 70%. C'est pour Erilia, une autre de nos structures très implantée ici à Marseille, près de 100 millions d'euros d'investissement dans la rénovation énergétique. Ça, c'est concret. Ça touche les gens, ça touche le parc immobilier et ça réduit les empreintes carbone. Tout le monde l'a vu, donc je vais le souligner, mais vous êtes très fort. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question, c'était comment ils font dans la CEPAC pour appliquer à eux-mêmes aussi... Alors, vous avez raison. Et vous avez tout à fait raison de souligner à la fois le banquier que nous sommes d'accompagner les projets et puis banquier au sens grande entreprise. Et donc, une grande entreprise doit être exemplaire. Donc on a travaillez sur quoi ? Parce qu'on ne vous demande pas d'être un saint, parce que tout le monde est dans le mouvement, aussi, mais vous travaillez sur quoi ? Le zéro papier Alors, zéro papier, la mobilité. Nicolas Vanier a expliqué la révolution en termes de mobilité, la consommation de carbone que ça représente. Là aussi, illustration, on travaille sur nos schémas de mobilité avec une start-up marseillaise, Weaver, qui fait un diagnostic avec nous de la manière dont nos salariés bougent et qui nous propose des solutions. On va éviter, dans un périmètre dont vous avez compris qu'il était très vaste,
de multiplier les déplacements. Et donc la réduction de l'empreinte carbone est pour nous une manière aussi de montrer qu'on est exemplaire sur ces sujets. Je voudrais qu'on passe à une dernière séquence qui est de voir les questions. On en a vu un certain nombre, réactions, bien sûr, et questions qui ont été posées. Mais là, à ce stade, on va avoir, je pense, une série de questions que vous avez posées et qui vont apparaître sur l'écran, auxquelles je voudrais que nos invités répondent. Alors, si les habitants de la Chine, de l'Inde et des USA n'agissent pas, y a-t-il un espoir de sauver la planète ? Oui, parce qu'il y a une question de proportion, Nicolas. La réalité, c'est... Ça, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, un problème mondial, solution mondiale. C'est une évidence. On est un tout petit point vert dans le noir de l'univers. Il faut se rendre compte aujourd'hui qu'on est un village. Ce que la COP21 a montré de formidable, c'est qu'on est quand même capable, même si, bien évidemment, j'ai trouvé, on a été nombreux à trouver ça bien trop timide, qu'on a tout de même eu 141, je crois, pays qui ont réussi à se mettre d'accord sur quelque chose. C'est un commencement, je ne sais plus quelle belle phrase était dite tout à l'heure sur le commencement, donc c'est un beau commencement. La preuve en est que sur le problème de la couche d'ozone, c'était un problème mondial, on a trouvé une solution mondiale et on a réglé ce problème, donc on en est capable. Mais comment, effectivement, et toute la question est là, et ça a été les discussions de la COP21, je crois qu'on a alloué 100 milliards, ce qui est insuffisant aux pays... Au fonds vert, parce que il en manque 30. Des pays comme l'Inde nous disent, grosso modo, pour se résumer, écoutez, vous êtes bien gentils, vous avez construit votre croissance, votre richesse sur la combustion des énergies fossiles, et vous voudriez que nous, sous prétexte que le réchauffement climatique, eh bien non, on va attendre pour peut-être devenir ce que vous êtes devenu dans 100 ans ou 200 ans. Ça ne peut pas marcher. Donc on en revient exactement à ce qui vient d'être dit, c'est que ce monde n'est plus possible où 1% des personnes concentrent 99% de la richesse. Et il faut poser tout simplement le problème de la redistribution de la richesse. Et là, bon, on ouvre une boîte de Pandore et un grand débat. Mais ce sera le débat de l'année prochaine. Vous allez inviter Thomas Piketty, c'est ça ? Alors, attendez, mais autre question. Jean-Yves Grandier. Moi, je veux répondre à cette question-là. Non ? Allez-y. Et vous croyez qu'ils dorment, les Chinois ? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est intéressant. Bah là, aujourd'hui, les trois plus grands fabricants mondiaux de panneaux photovoltaïques, en 2025, ils vont fabriquer par an 1000 gigawatts de modules solaires. Aujourd'hui, on en fabrique et on en installe tous les ans 100 gigawatts, 10 fois plus. 1000 gigawatts. C'est les Chinois. Oui. Les Chinois, 1000 gigawatts, c'est la production de 200 centrales nucléaires de 900 mégawatts qu'on a. C'est-à-dire qu'en 3 ans, ils ont, en production, fait l'équivalent de toutes les centrales nucléaires du monde. Il y en a à peu près un peu plus de 500. Ouais. Voilà. Donc, ils ne dorment pas, les Chinois. Ils ne dorment pas. Ils installent beaucoup plus d'éoliennes que ce qu'on pense. C'est ceux qui installent le plus d'éoliennes dans leur pays. Donc, il ne faut pas croire que les gens de l'autre côté de la planète dorment et que c'est nous qui, peut-être, sommes en train nous endormir et que là, on risque d'avoir quelques réveils un peu difficiles. Autre question, si vous voulez bien, en régie. Si l'ensemble de l'énergie était créée avec le nucléaire, nous réduirons de 25% nos émissions. N'est-ce pas une solution réalisable à court terme pour nous donner le temps de développer l'énergie verte ? Oui, vous avez combattu le nucléaire, mais la réalité quand même du nucléaire, c'est que c'est zéro émission de carbone. C'est une électricité propre. Tout à fait, mais là, le problème, c'est pas de... Si vous faites des nouvelles centrales, comme ce qu'on est en train de faire, ce que EDF est en train de faire au sud du Royaume-Uni, alors à Flamanville, mais à Hinkley Point, au Royaume-Uni, parce que là, on a les données. Ils ont signé un contrat... Le PR, la nouvelle génération. Le PR. Ils ont signé un contrat avec le gouvernement anglais pour acheter l'électricité qui sera produite pendant 35 ans à 93 livres. À l'époque, quand la livre valait encore quelque chose... Le mégawattheure. Ça fait 110 euros du mégawattheure. Oui. Il y a 2 ans, lorsqu'est sorti un appel d'offres solaire au sol en France sur les grandes centrales de plus de 5 mégawatts, on était en moyenne à 55 euros de mégawattheure pendant 20 ans. Et le Figaro a titré « Le solaire, deux fois moins cher que le nucléaire ». Oui.
C'est ça la problématique. Oui, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est une solution technologique, voilà. Mais qu'elle coûte très très cher parce qu'il y a les contraintes de sécurité, etc. Et que c'est donc un souci collectif de savoir le financer ou pas. C'est ça l'enjeu. Le nucléaire, c'est le passé, c'est le présent. Le futur du nucléaire, c'est son démantèlement, c'est le recyclage des déchets, c'est le problème de la fin de vie. Et ça... Certains vous diront que c'est la puissance électrique tout de même. Hein. Quand on doit fournir une ville comme Paris ou une ville comme Marseille, avec les industries qui vont autour ou les services, c'est une question de puissance. Il y a un débat là-dessus. Est-ce qu'il faut vraiment opposer les deux ? Vous citiez la Chine. La Chine est en même temps le principal producteur de photovoltaïque, le principal constructeur de centrales nucléaires. Non, mais effectivement, ce qu'ils construisent en centrale nucléaire, c'est rien par rapport à ce qu'ils installent en photovoltaïque et en éolien. Mais ce que dit Didier Moatté, c'est qu'il faut faire les deux. Mais c'est un problème économique. Si on veut faire du nucléaire sur aujourd'hui, ça nous coûte beaucoup plus cher que de faire des renouvelables. Et la transition énergétique, c'est qu'il faut la faire. Il faut la faire en décarbonant nos énergies, mais il faut aussi la faire à moindre coût. Et c'est seulement les énergies renouvelables qui permettront. Nicolas Vanier, Pascal Derme, sur un mot sur ce sujet. Autre question après. Le discours du président tout à l'heure a été conclu en disant nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Le nucléaire, c'est tout simplement de renvoyer le problème du traitement des déchets à nos enfants et nos petits-enfants qui vont déjà hériter de 2200 milliards de dettes, qui vont hériter d'un monde où il n'y a plus d'oiseaux. Je pense que ça suffit, quoi. Je pense que ça suffit. Donc le nucléaire est un mal nécessaire à moyen terme parce qu'on ne peut pas s'en passer à court terme. Mais il faut absolument, effectivement, à long terme, s'en débarrasser. À moins qu'on trouve une solution miracle, et ça, j'y crois pas. À moins qu'on brûle les déchets, par exemple. Pour traiter les déchets. Et même au-delà de ça, les chiffres que vous donnez, ils sont criants de vérité. Autre question éventuelle, si vous en avez encore posée par la salle. Oui, devenir végétarien, n'est-ce pas une partie de la solution ? Manger moins de viande, oui. Moins, mais végétarien, c'est plus. Moi, je ne crois pas aux solutions comme ça, excessives. Je pense qu'il faut une certaine sobriété. Et je vous assure qu'en mangeant de la viande une fois par semaine, voire deux fois par mois, on se porte très, très bien. On a du plaisir à retrouver de la viande. Comme les fraises, si on n'en mange pas toute l'année, ben, on est content de les retrouver. Il faut retrouver le locavore et le cyclevore, en quelque sorte, qui était celui de, en tout cas de notre jeunesse à nous, qui n'est pas tout à fait le cas des jeunes aujourd'hui, qui eux ont tout le temps, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que la mondialisation l'a permis. Pascal, mot. Il y a 30% des terres agricoles qui ne peuvent pas être là pour des cultures, où il y aura des pâturages. Donc. Plutôt qu'effectivement d'importer du soja pour faire de la viande hors sol ici, faisons de la viande extensive, faisons de la bonne viande de bonne qualité, régalons-nous avec cette viande, comme vous dites, une fois, deux fois par semaine. Mais je dirais qu'un monde sans élevage, c'est pas un monde rééquilibré non plus au niveau de l'agriculture. On a besoin de l'élevage parce que l'élevage apporte quelque chose dans le cycle agricole. Mais il faut en faire moins. Mais en profitons-en pour en faire de meilleure qualité en étant sur des productions locales, en consommant et en produisant localement, sans être obligé d'importer des tourteaux soja pour nourrir nos bêtes en complément du maïs parce qu'on ne les nourrit plus à l'herbe. Exactement. Alors, je vais vous demander un petit exercice, de vous livrer un petit exercice, si vous voulez bien, avant que je ne cède la parole à Didier Moatté pour conclure cette soirée. Le message, les mots-clés, l'idée principale que vous voudriez qu'on retienne de la soirée ou qu'il faut retenir pour la suite. Allez, Pascal, on commence par vous. Alors, j'en ai deux. Donc, je me réfère au propos de Patrick Vivray, qui est un philosophe, ancien conseiller à la Cour des comptes, qui dit que il faut préférer l'intensité, sérénité à la frustration, dépression. Parce que, en fait, recommencez. Oui, je sens que tout le monde n'a pas capté, moi le premier. C'est vrai que... On recommence. Je l'ai le Conseil d'État, qu'est-ce qu'il nous dit ? Patrick Vivray, qui est philosophe, nous dit que pour être heureux, pour vivre mieux, il faut préférer l'intensité, sérénité, c'est un couple, intensité, sérénité, à l'excitation, frustration. Et en fait, ça illustre un peu ce qu'on a dit sur de moins en mieux et sur la consommation. C'est qu'on vit notre société dans un cycle de dopamine, c'est-à-dire d'excitation de toujours plus, comme une maladie auto-immune, quelque chose d'incontrôlé. On veut toujours qu'avoir de la dopamine qui monte au cerveau, on ne s'en rend pas compte. Une prolifération. Or, on peut revenir
revenir à quelque chose qui est plus proche de la sérotonine, c'est-à-dire au bien-être et au bonheur. Et des études justement neuroscientifiques montrent que le fait d'aller dans la nature, et c'est des études récentes, active une zone du cerveau qui déclenche cette sérotonine, cette hormone du bien-être. Ça, c'est la première chose que je voulais dire, c'est quand même assez merveilleux de le réaliser. Et la deuxième chose, c'est que par rapport à la boîte à outils, je rebondis encore une fois, c'est qu'on a les outils en fait pour ce monde. On a une économie symbiotique, on a une économie régénératrice, on a des gens qui pensent ces nouvelles économies, on a des gens qui pensent l'écocide, c'est-à-dire la destruction, la pénalisation du crime contre la nature, on a des gens qui pensent les biens communs, c'est-à-dire une nouvelle vision de la propriété, on a toutes ces idées-là qui sont déjà en millefeuille, qui sont déjà là, et donc utilisons-les. Voilà. Jean-Yves Grandidier, votre mot de conclusion à vous, le message ou l'idée que vous voudriez qu'on retienne? Je vous disais tout à l'heure qu'on avait aujourd'hui tous les moyens technologiques pour réussir notre transition écologique. Maintenant, eh bien, il faut faire preuve de créativité. Et c'était bien l'exemple de mon collègue où on voyait les lamas autour des panneaux solaires pour pouvoir adresser avec à la fois la question du changement climatique, mais aussi la question de la biodiversité, la question du modèle agricole, essayer de lui redonner une pertinence, parce que je suppose que les lamas, ben, l'éleveur, il est payé pour ça. Et donc, avec cette créativité, effectivement, bien qu'on puisse effectivement aller vers cette transition écologique qu'on appelle de nos souhaits. D'abord, c'est sympa de rendre hommage à votre confrère. Mmh. Et puis ensuite, je crois que vous ne vous connaissiez pas. Non. Ah ben voilà. Merci Didier Moitet. Banquier, voyez. Alors, ben, Michael coup d'Isère, oui. Votre donc qui est un non-corse, j'ai compris. Oui, attention, je vais m'énerver. Votre mot de conclusion à vous. Mon mot de conclusion, alors attendez, je vais être très sobre. Donc, on reçoit... C'est le seul qui peut le faire parce qu'il est vraiment corse. Donc... Voilà, c'est ça, je peux l'autodérision. On reçoit bien plus de soleil qu'on en a besoin. Arrêtons le nucléaire. On reçoit bien plus d'énergie, elle est fabriquée, on n'a plus qu'à la transformer. Aujourd'hui, un tiers des toitures de la France, couverts de panneaux photovoltaïques, c'est plus d'énergie qu'on en consomme, d'énergie, toute énergie confondue. Donc oui, c'est rentable. Un toit sur trois. Un toit sur trois. Aujourd'hui, moi, pour la Corse, c'est 0,1% de la Corse en panneaux solaires, là, comme je vous ai montré. Toute la Corse, toute l'énergie de la Corse, on la fournit à partir d'énergie solaire. Ça coûte pas cher. 5 centimes sur le continent, il y a 2 ans. Au Portugal, il y a plus de soleil, donc du coup, ça revient un peu moins cher. C'est 2 centimes par rapport aux 10 centimes du nucléaire. Donc, question chance, utopie, pas d'utopie. Chance, bien sûr. Nous, on recrute tout le temps, on a besoin de gens. Et par contre, nous, le problème, c'est que la carte bleue, elle ne sert pas trop. Hein. Les gens, ils n'ont pas trop le choix de l'énergie. Nous, c'est le bulletin. C'est le bulletin. Moi, aujourd'hui, pour construire une centrale, comme on a vu, c'est 4 mois. Par contre, c'est 3 ans de parcours administratif. Alors, j'imagine que dans l'éolien, c'est 2 fois plus. Donc, on veut quoi? On se crée des règles. Alors qu'on sait qu'on veut le faire, mais on se crée des règles qui nous empêchent, parce que ça nous fait plaisir d'inventer des règles, des fois, pour aller moins vite, finalement. Alors, je voudrais... il est difficile à trouver... Merci. C'est venu du cœur. Je voudrais citer, même s'il est difficile à trouver, mais en demandant aux éditeurs, on le trouve, le livre de Gilles Luneau et de Jean-Yves Grandidier, « Le vent nous portera ». Qu'il a publié en 2017, et où il y a, avec la préface de Laurence Tubiana, qui était l'organisatrice de la COP21 pour le compte du gouvernement français, des arguments, et c'est très volontariste. Je voudrais aussi, évidemment, citer Michael Coup d'Isère et son entreprise Cosicarsol, et puis Natura, le livre de Pascal Derme, Pourquoi la nature nous soigne et nous rend plus heureux. Et il y a cette compilation et cette vulgarisation au sens noble du terme de toutes ces études qui montrent comment c'est tout à fait sérieux. Et tout à l'heure, je galégeais un peu en parlant de Baba, mais oui, c'est ça et c'est passionnant. Et puis, vous demandez votre mot de conclusion à vous aussi, Nicolas, avant de passer la parole à Didier Moitet. Qu'est-ce que vous voudriez, un mot, si vous aviez un mot à nous dire, rite du bonheur peut-être. Il y a les oiseaux et il y a Donne-moi des ailes qui sort là dans quelques jours. On va voir l'affiche du film, c'est une fiction, mais c'est
J'ai pas vu, mais j'ai vu la bande-annonce. C'est un bonheur déjà la bande-annonce. Sincèrement, c'est une histoire formidable. Est-ce que vous voulez, non, vous voulez pas le dire peut-être. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas ici pour faire la promotion du film, mais ce que j'aime dans ce film, et finalement ça peut être un mot de conclusion, c'est qu'effectivement ça met un coup de projecteur sur une réalité. Et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est pas se masquer. Ça va mal. Ça va très mal. Ça va aller encore beaucoup plus mal. Tous les chiffres nous le montrent. Ça, c'est une première chose. Deux, c'est qu'effectivement, et on l'a bien vu aujourd'hui, ce n'est pas du tout une question, encore une fois, de capacité. C'est surtout une question de volonté et d'être accompagné. Et à ce titre-là, c'est vrai, n'oublions pas que les gouvernements, ils sont là pour nous obéir. Les gouvernements sont là pour nous obéir. C'est-à-dire que c'est mettre en application la volonté, notre volonté. Donc je pense qu'il faut porter cette voie le plus haut possible. Et la porter le plus haut possible, bah, c'est faire peut-être un petit peu différemment que ce que font les Français. Parce que quand on demande à des Français de baisser leur vitesse de 130 à 120 km/h sur une autoroute parce que ça va baisser l'empreinte carbonique en attendant qu'on trouve des solutions, tout le monde dit non. 87% des Français disent non. Donc il faut aussi se rendre compte de cette responsabilité qui est la nôtre et pas se reporter que sur les hommes politiques. Et enfin, juste pour conclure, puisque vous parlez de ce film, ça parle d'un homme qui utilise pour une fois, en étant cynique, son intelligence, son cœur, son énergie pour être au service de la nature. Et je trouve que c'est un beau message d'espoir et moi j'ai envie d'espérer. Voilà. Ça a commencé très plombé quand même, en effet, il le disait lui-même, mais on peut retenir deux choses, quand on veut, on peut, et on a 10 ans quand même, donc il y a un cap, une perspective, voilà ce que moi je retiens en vous remerciant de votre attention, bien entendu, mais je cède la parole à Didier Mohatté, notre hôte, ce soir aussi, avec Joël Chassard. Bon, vous me permettez, je vais aller conclure là. Ben allez, c'est à vous. Voilà. On aurait pu encore débattre à un long moment. J'espère que tous ces sujets vous ont passionné. En tout cas, ils nous ont passionnés, vous l'avez senti. Le temps de la conclusion, c'est avant tout le temps des remerciements. Voilà, vous remercier. Commencez par vous remercier toutes et tous, chers clients, d'être venus nombreux ce soir à notre grand rendez-vous. Merci de venir chaque année. C'est pour nous, pour toutes les équipes de la CEPAC, un grand moment, toujours de plaisir, que de fierté de vous accueillir. Un grand merci pour votre présence ce soir. Je voudrais évidemment remercier ceux et celles qui ont organisé avec nous cette soirée, l'équipe de la communication, pour les applaudir. Même si le travail n'est pas encore tout à fait terminé, puisqu'après cette première séquence, on a une autre séquence derrière qui va être au moins aussi conviviale, avec sans doute plein de partages autour d'un cocktail. Je voudrais également les remercier parce qu'on a évidemment beaucoup réfléchi entre nous sur ce sujet, le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi ce sujet ? Joël y est revenu, mais je voudrais y réinsister. On a évidemment très à cœur d'échanger, de partager avec vous chaque année sur des sujets d'actualité. Brûlant d'actualité, si je puis dire. Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, disait Aurélien Barreau, qu'on n'a pas cité ce soir, dans son ouvrage. Donc un sujet qui est à la fois un sujet d'actualité, et c'est aussi un sujet, on a voulu le partager ce soir, un sujet qui illustre aussi bien notre métier de banquier traditionnel, de banque régionale ancrée, que aussi la singularité de notre modèle de banque, la CEPAC, votre CEPAC. Notre métier de banquier, c'est de le faire expliquer un peu, c'est évidemment d'accompagner, de vous accompagner, de faire en sorte que toutes nos équipes, certaines sont présentes ce soir, je les salue, celles qui nous écoutent dans les îles. Bref, notre métier de banquier, c'est de vous accompagner, d'accompagner vos projets, qu'ils soient particuliers, professionnels, entreprises, collectivités locales. La fierté finalement de ce métier de banquier, c'est de rendre, en tout cas avec humilité, votre futur possible. C'est aussi, ça c'est la singularité de notre modèle, CEPAC, en tout cas c'est ce que nous croyons, en tant que banque régionale, ancrée, installée, qui croit son utilité, qui croit sa responsabilité, qui croit sa raison d'être, et bien que c'est aussi notre devoir, notre mission, que de participer au devenir plus positif des quartiers, des villes, de nos régions, bref, à rendre le futur possible, encore avec beaucoup d'humilité, avec nos moyens, nos équipes, mais ça participe de l'ambition de votre caisse.
Et lorsque nous avons fait le choix, il y a quelques années, d'investir, d'être aujourd'hui le numéro 1 dans le groupe BPCE, le numéro 4 national sur la transition énergétique, le numéro 1 dans la région, c'était de faire ce choix, de mettre à disposition de ce secteur très porteur, nos équipes, nos moyens, nos compétences, parce que nous croyons effectivement pouvoir participer utilement au devenir de notre société, de nos villes, de nos quartiers. Alors, on a cité Victor Hugo, je voudrais citer Paul Valéry. « Le temps du monde fini commence. » Le temps du monde fini commence, cette citation du visionnaire qui était Paul Valéry du siècle dernier et qui aurait pu être l'épigraphe de notre soirée. Si le temps du monde fini commence, on l'a compris, c'était aussi le sens de nos échanges tout au long de cette soirée, c'est que le temps des initiatives, de l'engagement, des actions concrètes, lui, il a aussi très largement commencé. On pourrait aussi s'interroger, on s'est interrogé ce soir sur presque trop tard, toujours selon Aurélien Barreau ou Greta Thunberg. Et à ce titre, je voudrais évidemment remercier en votre nom à toutes et à tous ces voix qui portent cet engagement, qui nous mettent en face de cette réalité, qui participent de l'éveil des consciences. Et je voudrais évidemment remercier en premier Nicolas Vanier. Un grand merci Nicolas pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. Et je crois qu'on est tous ici, on est déjà 1500 présents qui seront impatients d'aller découvrir votre film. Merci bien sûr aussi à Pascal Derme. Merci pour votre personnalité, votre engagement, votre présence ce soir. Et je voudrais bien sûr remercier, on a beaucoup insisté sur ces sujets, nos chefs d'entreprise. C'est très important qu'on ait ce débat. La solution, en tout cas, une partie de la solution est entre leurs mains. Il fallait oser, il y a 10 ans, se lancer dans ce modèle qui était naissant. Il démontre jour après jour que ce modèle est non seulement économiquement viable, industriellement viable, mais que finalement l'énergie renouvelable est une alternative possible. Merci à Jean-Yves Grandidier, président de Valorem. Merci à Michael Coudizer, patron de Corsica Dissol. Voilà, donc le temps du monde fini commence. Le temps de la nouvelle séquence, elle, va démarrer dans les toutes prochaines minutes. On va évidemment vous inviter à nous retrouver autour d'un verre pour partager et continuer à discuter sur ces sujets absolument passionnants. Et d'autres, si vous le souhaitez. Permettez-moi encore une fois, au nom de toutes les équipes de la CEPAC, de vous remercier pour votre présence ce soir et puis de votre fidélité chaque jour dans nos agences. Vous pouvez compter sur la CEPAC. Merci à tous.